Prends ce couteau. Va directement au champ. Et sauve-t'y. Elle est en danger. Kishi? Mais, ok, est-elle en danger? Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas important. Oui, mais que fais-tu ici et qu'est-ce que je fais ici? Ma fille, fais ce que je te demande de faire. Et va où je t'ai demandé. Où ça? Vas-y tout droit au champ avec ce couteau. Merci Seigneur. Ce n'était qu'un rêve. C'était quoi ce genre de rêve? Hé, hey, maman. C'est quoi ce genre de rêve? Maman? Chez MD! C'est quoi ça? Maman! Chez MD! Chez MD! Laisse-moi, bouffonne! Ne touche plus ma mère! Ne me touche plus! Je vais en finir avec toi! Je vais en finir avec toi! C'est bon, voyons! Mais non! Arrête, voyons! Maman, attends! Oh. Tu me connais! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas fini! Non, laisse ma fille! Laisse pas ta mère et ta sœur! Laisse pas ta mère et ta sœur! Elles ont pris mon bois pour la cuisson! Je leur ai demandé de ramener cela! Et c'est ce que je suis venue chercher! Je ne bougerai pas d'ici sans avoir mon bois. Maman, calme-toi. On ne fera jamais ça. Maman, calme-toi. Hey. Arrêtez tout ça, voyons. Je vais entrer. Maman, je vais juste entrer. Je vais juste entrer. Allez chercher du bois. Je reviens. Si tu essayes de bouger d'ici, tu verras ce que je vais te faire. Elle passe le temps et utilise le nôtre. De quoi tu parles? Quoi? Hein? Maman, j'ai besoin d'action. Attends, tu feras quoi? Ne touche pas ma fille. Vas-y. Vous pouvez arrêter de bagarrer. Non. Oh, Tizendi. Bonjour. Ah, bonjour. Regarde comment t'es tellement ravissante. Merci beaucoup. Au moins, tu as remarqué ma beauté. Qui ne verrait pas cette beauté que tu es? Quand tes sœurs et toi, vous êtes comme des anges tombés du ciel. Vous n'êtes pas que des anges. Vous êtes des anges avec de très belles courbes. Comment ne pas le remarquer? Noix baiser, tu es très drôle. Hey. De toute façon, je venais chez toi. Hey, ouais. J'espère que tout va bien, parce que je me rendais à l'église. Ok, rien, tout va bien. Je veux dire, tu as déjà rendu les choses plus faciles pour moi. Quoi facile pour toi? Ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Noix baiser. Tu sais... Je t'aime bien. Et je ne sais même pas ce que tu fais avec... Ce que tu fais avec ma sœur. Allez, arrête. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je te donnerai tout ce qu'elle te donne. Hein? Écoute, noix baiser. Je te veux vraiment. Hein? Femme fabuleuse. Regarde-moi. Hein? Je te promets de prendre soin de toi.
Et regarde, ce corps gracieux qu'est le mien est très juteux. Noix baiser, crois-moi, tu vas aimer, hein? Alors, donne-moi une chance. Laisse-moi te prouver que je suis une femme. Quelqu'un pourrait nous voir ici. Ok, allons le faire dans cette brousse. Je vais te montrer ce que je peux faire. Ma sirène. Ok, d'accord. Cindy! Ma maman! Oui, ma fille! S'il te plaît, viens! Maman Chesindere! Oui, ma fille, dis-moi, qui est-ce? La mère la plus belle! Oui, ma fille! J'ai sécurisé mes biens! Je suis en charge! Dis-moi, bébé! Maman, mère en sang en feu! Ta beauté! Ta fille chérie! Ma fille chérie! La plus belle! Dis-le encore, maman! Que les jalouses entendent! La fille de sa mère! Une tu beauté! Oui, tu l'es! Je suis! Ma fille! Oh, maman! Comment ne peux-tu pas avoir une mère? Jésus! Avec des reins en feu! Et être en feu toi-même! Ah! Oh! Même la Bible dit que la lumière attire la lumière. C'est et forcément les ténèbres attirent les ténèbres. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille chérie. Maman. Ma fille. Maman. Nous sommes des lumières. Maman. Oui, nous le sommes. Oui, maman. Et on nous jalouse. Hey. Regardez. Hey. Regarde ce qu'elles font. Ma fille. Hein? Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu es la meilleure. Tu sais quoi, ma fille chérie? Tu n'es que réussie. C'est vrai. Oh. Pas comme certaines. Oh. Regarde-le. Telle mère, telle fille. Maman, tu es la meilleure. Oublie les jalouses. Oh. Vas-y, danse pour moi. Oh. Tu sais quoi? Jésus, lorsqu'on parle de poitrine, c'est dans notre état. Vérité. Et lorsqu'on parle de corps, regarde. Oh, on vient dans notre communauté. Ma jolie fille. Je viendrai vers toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, Jésus. Hey! Prends mon cœur, Jésus, prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus, oui, prends mon cœur. Hey! Oui, il m'aime, mon Jésus m'aime. Hey, Seigneur, je m'aime. Jésus-Christ, tu m'aimes. Hey, tu as fait des merveilles pour moi. Oh, tu es bon. Non, oh, mon mari mange le mien. Ah, ah. Jamais. Assez, assez. Naï, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est moi qui gère cet endroit. Je suis la première femme. Regardez qui parle. Première femme, mon œil. Mon mari, tu vas manger ma nourriture et non la sienne. Mon mari. J'ai dit assez. Assez de tout ceci. Mon mari. Je pensais que chacune de vous avait son tour. Ok, c'est à qui le tour cette fois? Le mien. C'est mon tour. C'est mon tour. Mon tour. Le mien, mon mari. Chérie, c'est mon tour. Même si ça ne l'est pas. En tant que première épouse, hein? C'est mon tour. Je suis la première femme. Hein? C'est moi qui devrais prendre soin de toi et j'ai tous les droits de t'honorer. Je sais très bien que ce n'est pas de ta faute. Elle t'a ensorcelé, je sais. Qui a ensorcelé qui? Qui a ensorcelé qui? Regarde-toi. J'espère que tu vois qu'il est tout à fait normal. Il est venu vers moi de façon lucide. Tu m'entends? Tu sais pourquoi? Parce que je suis sucrée. C'est pour ça qu'il est venu en rampant faire sa demande.
Si tu étais si bonne au lit, est-ce qu'il viendrait me chercher? Regarde-toi. Une bonne vieille peau, c'est ce que tu es. Je ne suis pas seulement la première femme, mais aussi celle dont tu as payé la dot. Et alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Celle que tu as prise chez elle, et non celle que tu as ramassée. Et en route, et bien, qu'est-ce celle qu'on que tu as ramassée partout comme une... Tu parles qui se baladait en route comme une chèvre. Et elle a accouché des dévergondées comme celle qui est là-bas dedans. Attends. Ne me fais pas dire ce que je vais regretter. Si tu étais une si bonne femme, mon père est-il épousé une deuxième femme? Est-ce que tu vas la fermer? Ferme-la! T'es stupide? N'as-tu aucun respect pour moi? Respect de quoi? Elle ne te respecte pas. Elle n'arrive même pas à respecter sa propre mère. Et à quoi est-ce que tu t'attends? Oh mon Dieu! Telle mère, telle fille, tout simplement. Toutes pareilles. Elles sont très mal éduquées. Tu devrais avoir honte de toi-même. Non, tu devrais avoir honte, car si tu ne les avais pas amenées ici, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Pauvre dévergondée, et elle veut régimber. Wow, tu peux envoyer si tu veux. Tu me parles? Tu te prends pour qui? Qu'es-tu en train de tu faire? Tu te prends que pour qui? C'est pas vrai. Mange. Qu'est-ce que tu as? Mange. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait? C'est mon tour, j'ai dit. Que viens-tu de faire? Es-tu aveugle? Qu'est-ce que tu vois? N'importe quoi. Irma! Oui, mon mari. S'il te plaît, assieds-toi et mange. C'est un bon repas pour toi. Mange. Chérie, où penses-tu aller? Ah, papa. Chérie, viens manger, voyons. Papa, tu t'en vas. Donc, tu ne manges pas mon repas, tu t'en vas. Tu vas revenir, trouver ce repas ici. Est-ce que tu connais la peine que je me suis donnée? Maman. Pour qui te prends-tu? Maman, tu sais qu'après ce que tu viens de faire, on doit suivre cette femme. Tu sais que c'est une fouteuse de troubles. Tu as raison. On y va. Elle m'attend, j'arrive. Who invited the trouble? Does the stop the peace? Oh, the peace of our own. The mistake of one man has brought us misery. Oh. Hey! Hein? Dis-moi, qu'as-tu fait? Je te demande, qu'as-tu fait? Essaye de faire un deuxième. Donc, tu as versé ma marmite de nourriture comme ça. Oui, je l'ai fait. Lâchez-moi. Tu mourras. Lâchez-moi vite. Lâchez-moi. Je vais te montrer dans ce coin. T'as pas peur de toi. Pourquoi que tu... Je vais vous montrer. Je vais vous tuer dans cette maison. Je vais te tuer. Tiens ça. Je vais te tuer. Et je vais te tuer. Tu veux bagarrer, n'est-ce pas? Tu vas tuer ta fille. Tu veux bagarrer. Tiens ça. Tiens ça. Tiens ça. Je voulais bagarrer. Je veux bagarrer. Je vais te doser. Impossible. Vous et ta mère. Attends, hein? Attends, peut-être que ça se tape. Est-ce que vous allez coincer? Vous allez coincer? Yes. Je vais vous coincer. Qui? Hein? Je ne suis pas contente de toi, oh. Hein? Ce que tu as fait l'autre jour, c'était normal. Hein? Je me suis rendue chez vous. On m'a dit que tu étais partie à la rivière. Comment tu peux te rendre à la rivière sans moi? Et tu sais qu'on y va ensemble. Je suis désolée, ok? C'est juste que ma mère en avait urgentement besoin. Et tu sais que des fois, tu me retardes. C'est pourquoi? Moi? Te retarder, n'est-ce pas? Désolée, ne prends pas ça mal. Ok. Et pourquoi tu caches ton visage? Non, je ne le cache pas. Juste qu'il fait assez chaud ici. Qui? Il n'y a pas de soleil ici. Hein? Que s'est-il passé avec ton visage? Oh! Laisse-moi deviner. Une autre bagarre, n'est-ce pas? Avec ta sœur. Oui. Ah! Tu me déçois tellement! Comment peux-tu laisser ta sœur te faire ça? Hein? Hein?
Écoute, je voudrais que tu donnes une leçon à ta sœur pour qu'elle comprenne que c'est toi qui commandes. Regarde, regarde. Je sais. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Le fait est fait. Alors Le fait est fait. Donc, tu vas laisser ta sœur t'abîmer le visage chaque fois? Hein? Chi, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas la laisser se pavaner avec son visage. Toute jolie et se vantant. Et dans tout le village. Regarde ton visage. Désolée. Ne t'inquiète pas. J'ai fait mes plans. Donc, relax. Tout est planifié. Je suis relax. Regarde ton visage. C'est bon. Où allais-tu? Je me rendais chez toi. Chez moi? Eh bien, comme je suis là, pourquoi ne pas plutôt aller chez toi? Attends, as-tu cuisiné? Regarde ta bouche. Ma copine, je te taquine. Regarde-la-moi. Tu ne peux pas taper ta sœur. Tu veux me battre pour ça? Oh, ma copine. Alors? Nous voilà. Quelle belle journée. Ouverture du paradis. Ah, aujourd'hui sera sucré. Hey! Moi, baiser. Hey, Bibi, ma très chère amie. Je l'ai dit, aujourd'hui sera une très bonne journée. Es-tu sérieux? Ouais. Hey, Bibi, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il te plaît, donne-moi 2 sachets de lait Milo et un simple 50 mg chacun. Ok, 2 sachets de Milo. Oui. Du lait et du sucre. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Abelie, c'est Camille. Pardon, dépêche. Tiens, voilà. Et tu ne... tu ne payes pas. Je t'ai même ajouté un coca là-dedans. Hé, hey, merci. Mais dis-moi, tout ça, c'est pourquoi? Ok. Prends-le comme une récompense à ton aide avant que tu ne m'aides. Ah, moi, baiser, que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Ok, je suis en train de parler de ton frère aîné. Celui dont m'a parlé, Odigoma. J'ai besoin de son numéro. En fait, j'ai besoin de l'évaluer, tu sais. Moi, baiser. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que mon frère est un photographe en ville. Et non un de ses fonctionnaires. Il ne pourra rien pour toi. En plus, tu te débrouilles bien dans ce village, voyons. Moi, baiser, regarde ta boutique. Non. Elle est grande. Eh, Béré, tu trouves que je m'en sors dans ce village? Oui, regarde ta boutique. Arrête ça. Tu ne peux pas dire que je m'en sors dans ce village. Je ne m'en sors pas dans ce village. Oh, baiser, qu'est-ce que tu dis? Regarde ta boutique. Voilà cinq ans que tu es en train de partir avec. Et qui te l'a demandé? Tu t'en sors, voyons. Tu es un grand boutiquier. Attends. Et puis, si tu ne veux pas m'aider, ok. Mais faut au moins les choses bien comme ton ami Odigoma. Elle épouse un homme riche. Je ne peux pas être un bel homme et sans argent. Moi, baiser, je n'ai plus rien à te dire. Hein. Je dois m'en aller. Je t'ai tout dit. Ah oui, attends. Qu'en est-il de cet homme qui veut t'épouser? Cet homme-là, il est riche. Moi, baiser, tu n'es pas sérieux. Que veux-tu dire? Que j'accepte ses avances pour tes propres intérêts? Tu n'es pas bien haut. En plus, si tu y tiens tant, tu as une sœur. Tu peux très bien la lui donner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Ah, mais de moi. Ah, j'ai entendu dire que c'est un importateur. Tu peux la lui donner. Il n'y a que le coca qui est gratuit. Moi, baiser, voyons, aussi loin que je m'en souviens, tu m'as donné ceci gratuitement. Et j'ai apprécié ce geste. S'il te plaît, ne sois pas radin. Mais tu ne m'as pas aidé. Moi, baiser, vraiment, merci. Que je ne te revois plus jamais dans ma boutique. Regarde comment elle veut gâter. Regardez-moi sa tête. Que je te vois encore ici. Hey! Oh, mon Dieu. Attendez que je regarde mon beau visage. Regarde comment... Quelle beauté.
Elle se pavane dans le village avec son visage en bon état. Et je ne peux pas faire de même avec ses blessures. Quelle beauté! Hey! Je suis trop belle! Pas de cicatrices sur mon visage. Pas de boutons. Rien du tout. Je pense que je dois lui faire pareil. Comme le sujet de Koshi Sochuku. Quelle beauté! Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis si belle. Jamais. Anziguma, tu es si belle. Ne tombe pas. Chuku inazikome. Chuku inazikome. Chuku inazikome. Chuku inazikome. Ah! Mon amour! Mon sucre au miel! Ma Miss Lolo! Pardon, ne me touche pas! Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Hey! Hey! Mais que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? N'est-ce pas ta stupide et inutile petite amie? Hein? Hé, oh! Tiens! Odiguma t'a fait ça? Ah non! Es-tu sûr qu'Odiguma peut-tu faire ça? Genre, je suis maintenant un bébé, au point de ne pas savoir qui m'a fait mais ceci. Non. Donc, je suis maintenant une menteuse. Je n'ai pas dit que t'es un bébé, encore moins une menteuse. Je dis juste que l'Odigama que je connais ne peut pas te faire ça, sauf si tu l'as provoqué, il n'y a que ça, hein? Oh, oui. Alors c'est maintenant de ma faute, c'est ça? Donc, je suis maintenant une menteuse, c'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein? Je suis désolée, hein? Je veux juste... Ne me touche pas. De toute façon, ce n'est pas pour ça que je suis là. De la même façon dont elle m'a fait ça, j'aimerais que tu le fasses la même chose. Oui, je veux que tu abîmes également son visage. Je veux qu'elle commence à se cacher comme je le fais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais tu as trouvé. Attends, tu veux que moi, un homme mette main sur une femme? Chérie, ce n'est pas possible. Ah. Je ne peux pas faire ça. C'est possible, oh. Très possible. Tu dois détruire son visage. Tu dois le faire. Tu m'entends? Sinon, tu ne profiteras plus de ce corps juteux. Hey! Chérie, on ne blague pas avec ce genre de choses, hein? Regarde, ce petit monsieur doit entrer là-bas dedans. Alors, ce sera terminé. Fini, terminé. Fini, tu dois le faire. Ti, sérieusement parlant, tu veux dire quoi par terminé? Hein? Écoute, mais ça, c'est mon salaire. Écoute, tu dois choisir entre ma sœur et moi. Sinon, tu m'oublies. Hein? Pourquoi t'es si nerveuse? Attends, viens, parle. Viens, on parle. Hein? Tu ne pars nulle part avec tout ceci. Hein? Hein? Quand je te touche comme ça, et même en te regardant, écoute, hein? Mon patron là, moi, il est déjà debout. Allons à l'intérieur que je goûte un peu. Hey, quand tu le feras, tu l'auras. S'il te plaît, lâche-moi. Hey, mais s'il te plaît, non? Pas de repos pour les méchants. Ce qui s'est levé doit se baisser. Mais ça veut dire quoi, ça? Hey! Ces deux sœurs ne peuvent pas me tuer. Ça, c'est mon corps juteux. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Jamais. Hey, mais c'est quoi, ça? En tout cas, je verrai quoi faire. Je suis samedi. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas bien? Je vais bien. Je suis samedi, tu ne vas pas bien. Maman, je t'ai dit que je vais bien. Dieu, c'est sur moi que tu hausses le ton? Comment oses-tu hausser le ton sur moi?
telle mère, telle fille. Pareil. Il t'a demandé ton avis. Regardez-la, moi. Aussi laide que sa mère. C'est ça. Oui, va-t'en. Tu es comme ta sœur. Tu as l'audace de me crier dessus. C'est tout ton visage que je vais abîmer. Si je t'y reprends. Chisemde! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Ah, j'arrive! Hein? Ma chère, dépêche et va voir ton père. Franchement, dépêche-toi. Je n'aime pas qu'on me dérange. Regardez-la, je n'aime pas moi. Ça. Fille respectueuse, tu penses aller loin. Et où? Tu penses que nous sommes camarades? Parce que je cause avec toi, tu me grondes. Ah oh! Si tu savais qui je suis, tu n'allais pas avoir le courage de me parler ainsi, moi. Iwoma. Ha! Tu penses peut-être que je n'ai plus de force. N'importe quoi. Tissemde! Tissemde! C'est pas vrai! Pourquoi ton visage est-il ainsi? Tu vas en guerre? Hein? C'est quoi ton problème? Papa, je vais bien. Je vais bien. Affiche un visage plus radieux en ma présence. Va m'appeler Maziekene. Va appeler Maziekene pour moi. Papa, je suis occupée au... Je suis occupée à la cuisine avec maman. Tu peux demander à... Odigoma de l'appeler. En plus, elle est libre. Chisemde. T'es maintenant trop grande pour faire les commissions de ton père. Non, vas-y, dis-le-moi. Papa, je ne peux pas faire cette commission. Je suis occupée au... Je suis à la cuisine avec maman. Hein? Odigoma n'a pas fait. Assez. Tu peux retourner à la cuisine et faire ce qui te semble bon. Elle n'a plus peur de moi. Odigoma! Odigoma! Papa! Papa! Ma fille, s'il te plaît, va m'appeler Maziekene. Oh, tu es aussi occupée comme ta sœur. Occupée comment? Je ne suis pas occupée, oh. Ok, rends-toi chez Maziekene. Dis-lui okay, que j'aimerais papa. Le voir maintenant. C'est tout? C'est tout. Ah, je vais le faire pour toi. Bonne fille. Papa, ne t'en fais pas, je m'en vais l'appeler. Bonne fille. Tout ira bien dans ta vie. Amen, oh. C'est bien. C'est pas vrai. Donc, ma fille Tissemde ne peut pas faire une commission pour moi. Qu'est-ce qui l'arrange? Il y a quelqu'un? Mazi! Bossi Sotchoukou! Bossi! Qui crée mon nom? Ha! Hein? Oh! Alors tu es là-dedans. Qu'est-ce hein? qu'il y a? Pourquoi fais-tu cette tête? Sommes-nous ennemis? Calme-toi. À qui poses-tu cette question? Hein? Oh! Je sais que nous ne sommes pas amis, mais nous ne sommes non plus ennemis. En plus, nous ne sommes pas égales. Madame Seigneurie, je peux voir avec quelle énergie tu es venue ici. Mais sache-le, je ne suis pas ta sœur. Hein? Je vais te servir devant et derrière. Je suis toujours prête. Madame, je ne suis pas venue ici pour me faire insulter par toi. Je suis là pour ton père. S'il te plaît, est-ce là? Il n'est pas à la maison. Je peux le voir clairement. C'est pourquoi tu affiches cette stupide attitude. S'il te plaît, dis à ton père que le mien aimerait le voir lorsqu'il sera de retour. Ok? Bye-bye. Papa, bienvenue. Oui. Ma fille, merci. Est-ce que quelqu'un m'a cherché? Oui. Odigoma, elle vient de partir. Elle a dit que son père aimerait te voir. Oh, d'accord. J'irai le voir plus tard.
Oh, ok. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau à boire. Oh, j'ai soif. Ok. Merci. C'est étrange. Je me demande pourquoi il cherche à me voir. Hein? Oh, bébé. Chérie, comment tu vas? Hein? Où étais-tu? Regarde-moi ce produit. Hey! Ton. Ton grosse, ton, allez, ton. Tête super, hein? Tu l'aimes? Je l'adore. Bébé, je ne vais pas m'être lent. Pourquoi? J'ai pu venir ici uniquement parce que mon père m'a envoyé appeler Mazi et Kenny. Je t'en prie, noie un baiser. Mazi et Kenny doit déjà être chez lui. Et lorsqu'il se rendra chez nous pour voir mon père, je devrais déjà être rentrée. Ok, je comprends, d'accord. Bébé, et pour l'argent, tu es venue avec? Non, voyons. J'ai cru que tu m'appelais pour autre chose. Je ne l'ai pas. Je ne te manque pas. Tu me manques. Mais tu as l'air fâché. Mais non, je ne suis pas fâché. Es-tu sûr? Bébé. Mon amour. T'es tellement ravissante. Merci. Attends. Aïe! Bébé, pourquoi tu m'as giflé? Je n'aime pas ça. C'est encore du moustique, non? Ils sont fous là aussi, bébé. Je n'aime pas ça. Attends, désolé, chérie. Je n'aime pas ça. Désolé. Hein? Pourquoi tu me gifles? Désolé. Regarde ce côté. Regarde maintenant mon visage. Bon, bébé, désolé. Je m'en vais. Laisse-moi tranquille. C'est quoi tout ça? Jésus! Hey! Bébé! Désolé. Bébé, regarde! Debout. Je suis désolé, chérie. Désolé. Arrête ça. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé, non, chérie, je suis désolé. Laisse-moi tranquille. Hey. Hey. Maintenant, elle va croire que j'ai tapé sur sa sœur. Et j'aurai les deux. Hey, moi, baiser là, ça, je ne te tuerai pas. Hey. Bébé, je suis désolé. Désolé. Hey, bébé, je suis désolé, non? Mon amour. Mazi, je te le fais pas dire. Attends, mais... N'est-ce pas du sang que je vois là? Non, papa. C'est une piqûre de moustique. Quoi? Une piqûre de moustique? À cette heure de la journée? D'où est-ce que tu viens? Papa, je suis allée appeler Mazi et Kenny. Il n'était pas là. Tu es allée appeler Mazi et Kenny? Qui n'était pas à la maison quand tu y es allée? Et Mazi et Kenny est maintenant ici. Si tu ne me dis pas d'où est-ce que tu viens? Tout ce village va se rassembler pour nous deux. Mazi, calme-toi. Oh non. Reste en dehors de ça. Calme-toi. Et Kenny, reste en dehors de ça. Calme-toi. Aucun de mes enfants ne se tournera vers le mal. Et toi, tu as dit sortir d'eau. Ok, papa. Je suis allée voir une amie. Est-ce que tu vois? Une autre chose s'est ajoutée. Tu as vu? Papa, ne l'écoute pas. Elle ment. Elle est allée voir Noa Bézé. Hein? Noa Bézé? Qui est Noa Bézé? Regardez-la. Qui est-il? Dis-le-moi. Tu ne connais plus Noa Bézé. Je ne connais pas de Noa Bézé. Papa, ne l'écoute pas. Ne t'inquiète pas. Regardez-la. Comme tu ne veux pas dire la vérité à papa, moi je le ferai. Bien. Papa. Hein? Noa Bézé, c'est le gars qui vend des provisions à côté de la place du marché. Et je suis sûre que c'est lui qui lui a fait ça. Papa ne la croit pas. C'est vrai. C'est une piqûre de moustique, papa, non? Hey. Ah. Odigoma. Papa, je te dis la vérité. Donc, c'est ça. Non! C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de moustique? Quel type de moustique est-ce que c'est? Odigoma, c'est vrai. Il s'agit d'un moustique géant. Toi, Ijoma, reste il s'agit d'un moustique géant, je dis sûrement. Prostituée. Écoute, Mazone, calme-toi, ok? Vous voyez, ensuite on dira que ma fille est méchante. Ta mère est là. Sois la bienvenue, ma femme. Naï, tu es le bienvenu. Comment tu vas? Regarde ce qui se passe.
Qui t'a enlevé ta beauté? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle à ta mère. Qui t'a retiré ta beauté? Réponds à ta mère. S'il te plaît, ferme la bouche. Non, je n'ouvre plus la bouche. Nous réponds à ta mère. Rien fait qu'est-ce qui s'est passé? T'as donné ta langue au chat? Hein? Réponds à ta mère. Mais papa, c'est une piqûre de moustique, non? Quel est ce genre de moustique, ma fille? Est-ce que ce moustique-là, ça te mangeait seulement? Non, ma fille, regarde comment ça t'a mangé ta beauté, non? Regarde comment ça t'a mangé ton joli visage. Maman, c'est une piqûre de moustique. Écoute-moi très bien. T'es en train de jouer. Que je tombe seulement sur ce misérable vendeur de moi baiser et tu verras une autre facette de moi. Chérie, que veux-tu dire? Demande-lui. Cet idiot. Demande-lui. Vas-y, réponds-moi. Maman. Alors, c'est vrai? Maman! Maintenant, tu fais battre ta maison. Maman! Alors, c'est ça? Non, moi, ouais, c'est pas parti, je ne m'en mords. Je dois aussi t'attraper. Non, mais non. Aussi. Arrête tout ça. Je te fais de l'attraper. Je vais aussi t'attraper. Passez de ma maison. Vas-y, doucement. Mon amour à moi. Mon amour. Si, que fais-tu ici maintenant? Mais non, ici, on te voit venir ici. Ne sais-tu pas? De toute façon, ma mère sait que je suis ici. Jésus! Ta mère sait que t'es ici? Je ne comprends pas. Attends, que penses-tu que les gens diront lorsqu'ils te verront venir ici? Que vont-ils dire lorsqu'ils seront que deux sœurs? Elles voient le même gars. Peux-tu te calmer, hein? Calme-toi. Tu penses toujours à ce que diront les gens. Hein? Qu'en est-il de moi? Écoute. Je pense qu'il est temps que tu te sépares d'Odigoma. Que je me sépare de qui? Odigoma. Hey, bam, 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 bam. C'est impossible que je me sépare d'Odigoma. Ben voyons, c'est impossible. Ah, je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Est-elle plus importante que moi? Si tu savais ce dont je bénéficie d'Odigoma, tu ne dirais pas ce que tu dis là. Elle est très importante, hein? Elle est très importante. Je ne peux pas me séparer d'elle. Ok. Je pense que je devrais m'en aller et vous laisser tranquille. Je vais aller et chercher à qui donner mon corps juteux. Hey! S'il te plaît, lâche-moi. Attends, mais doucement, donne ce corps juteux à qui? Hein? Je ne peux pas venir ici et partir ailleurs. Calme-toi, hein? T'es toujours dans l'excès, prêt à exploser. N'est-ce pas toi qui me perturbe? C'est bon, calme-toi. Calme-toi, hein? Calme-toi. Ok, écoute. Je vais me séparer de ta sœur. Je le ferai. Maintenant, tu parles bien, hein? Je ne te manque pas. Tu me manques. Ne suis-je pas plus sucré qu'elle? Et regarde, allons à l'intérieur, non? On le fait vite et bien fait. Donc, tu avais envie de boire, c'est mais ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Viens pas là. Hé, mon fils! Viens faire ton choix. Viens faire ton choix, mon fils. Le plus beau des jeunes hommes. Maman, t'es maman. Tu veux des épices? Oui, maman. De la du tomate. Du piment et de la tomate. Donc, piment de combien? La tomate. 50 naira. Viens voir ta belle-mère. Viens ici voir ta belle-mère, mon fils. Tu sais quoi? Je vais bien te servir et tu n'auras pas à payer. Mais maman, pourquoi? On dit souvent que... quand une grande personne fait un cadeau à un petit, il ou elle ne pose pas de questions, mais accepte juste le cadeau. Et les bénédictions. Maman, t'es maman. Hein, mon fils? Ah, ok. Hey. Merci d'être passé et d'éviter les sorcières et les envoûtements. Elles n'ont qu'à mourir. Honte à toi. C'est toi qui mourras. Toi qui mourras, sorcière. Sorcière. Calamité. Ah, mon fils, ne me paye pas haut. Je te laisse offre avec maman, fierté. T'es maman, t'es maman. Merci, ça maman. Ça leur fera du mal et nous du bien. Les Mongols auront mal. J'ai bien dit. C'est moi, baiser. Alors, c'est toi? Alors, c'est toi? Je vais te tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne peux plus jamais Jésus, te voir, madame, ma fille. Petit voyou, regarde-moi ça. Regarde, je ne dis plus jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas à qui est-ce que tu demandes cela? Que tu t'es frotté, reste loin de moi. Tu n'es qu'une insensée. Je t'ai dit de rester très loin de moi, petit effronté. C'est mon client.
petite voleuse, voleuse ce client. Sinon, je vais en découdre avec toi. Arrête de voler. J'en suis très sûre même. Petite voleuse. Un client ne t'appartient, ils sont tous liés. Tu as compris. Petite voleuse. Tu m'as compris. Arrête de voler, petite voleuse. Sacha, oui. Petite effrontée. Arrête de voler les clients. J'espère que tu m'as bien compris. Dégage de ma vie. Je te préviens. Sale petite voleuse. Je te préviens. Petite sorcière. Ne me poursuis plus. Je m'en fiche de toi. Ne me poursuis plus. Je n'ai pas peur. Continue. Tu ne me fais pas peur. Je te petite voleuse que tu sois. Ne me poursuis plus. N'importe quoi. Après ce tour, je ne reviens plus. Je n'en peux plus. Ah, Chisemdi, comment tu vas? Qu'en est-il de ta sœur Odigoma? J'espère qu'elle guérit bien. Hey, mon Dieu! Hey, hey! De tous les jours, tu choisis celui-ci pour être stupide. Tu peux y croire. Chisemdi, moi stupide? C'est moi que tu traites de stupide? Tu m'as très bien entendu, hein? Suis-je la gardienne de ma sœur? Bien sûr que non. Ouh! Oh, j'aurais tout vu. Jay, ce n'est pas de votre faute. Je me blâme moi-même de t'avoir adressé la parole. Ouh. J'ai oublié que l'être humain a une façon différente de s'adresser aux chiens. Des chiens comme toi sont censés être enchaînés et enfermés. Quoi, quoi, quoi? C'est là où tu devrais hey. Être. Hey, n'importe quoi. Hey! Eberechuku! Eberechuku! Ne me provoque pas, oh! Ne me provoque pas, oh! Pardon. Regarde-moi cette fille. Laisse-la. Tu es chanceuse. Je ne suis pas d'humeur pour bagarrer. Sinon, elle... Laisse-la tranquille. J'allais te prendre et te déchirer. Qui? Te dévorer comme de la viande. Laisse-la tranquille. Tu sais qu'Eberechuku, c'est une folle. Laisse-la, pardon. Pourquoi tu te déranges à parler avec une folle? Pardon, on y va. Chuku inazikome, chuku inazikome, chuku inazikome, chuku inazikome, chuku inazikome. Who invited the trouble that does disturb the peace? Oh, the peace of our home. The mistake of one man has brought us misery, oh, and pain. Should we cut a tree because of the problem from the root? Inazikome, inazikome, inazikome. Chuku inazikome, chuku inazikome, chuku inazikome. Chuku inazikome, chuku inazikome, chuku inazikome. My family in crisis, our family in crisis. Oh Lord, where are you? Oh Lord, where are you? But we all know that destruction awaits this birth. That my family is just like, what is happening here right now? Oh God, oh God. There is no peace. Oh, there is no joy. Things are going wrong. I'm going down. Things are going wrong step by step. There is war. There is no peace. Ha! Obim! Mon amour, comment vas-tu? Chérie, es-tu fâchée? C'est moi qui suis censée être fâchée, pas toi. Attends, c'est toi qui es censée être fâchée? Oui. Pourquoi n'es-tu pas venue lorsque tu as appris ce que ta mère m'avait fait au marché? Hein? Et tu me dis que c'est toi qui dois être fâchée? C'est moi qui dois te fâcher ici, c'est bien moi. Elle a mis la tomate dans ma bouche. Bébé, c'est égoïste de ta part ce que tu dis. Toi, mieux que personne, sais que je me suis faite mal à la tête la dernière fois que je t'ai vue. Mes parents m'ont battue à cause de toi, Obim. Attends, tes parents t'ont battue? Oui, parce que je suis venue te voir. Mais tu ne me l'as pas dit. Comment je saurais que tes parents t'ont... Hey, bébé, viens, viens, viens. Bébé, viens. Ils t'ont battue.
Je suis désolé, chérie. Ils l'ont fait. Je suis désolé. Hein? Comment tu te sens? Dis-moi. Tout mon corps fait mal. Je suis désolé. Hein? Ok. Mon bébé, viens. Je suis désolé. Hein? Bébé, désolé. Tu sais que tu m'as manqué. Oh, tu m'as également manqué. Bébé. Mon amour, tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Obim, tu m'as dit que tu n'aimes pas parler à TSMD. Comment se fait-il que c'est à elle que tu as dit de m'appeler? Tu sais, j'ai parlé à Tizine juste à cause de toi. Habituellement, je ne lui parle pas, mais à cause de toi, tu sais, j'ai été obligée de lui parler. Hein? Ok. Viens. C'est bon, mon amour. Oh, Bim. Hein? Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, voici l'argent que tu m'as demandé. C'est l'argent. Oui. Et mon amour. Mon amour. Mon amour. Oh, mon amour. Ah, mon bébé. Ah. Ok. Hey! Otigoma. Donc, c'est ici que tu venais. Hey! Otigoma. Je te regarde. Papa ne t'a-t-il pas dit de rester à la maison? Hein? Chichi, que fais-tu ici? Toi, tant que tu ne fous pas cette fille dans la merde, tu ne seras pas tranquille. Et en ce qui te concerne, je vais tout droit chez papa. Et je vais lui dire ce que tu as fait. Non, s'il te plaît, attends. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est quoi ce genre de fille? Hein? Et toi? Donc, tu as le courage. C'est comme ça que tu l'as. Câliné, ne sais-tu pas que je suis jalouse? Hein? De toute façon, pendant qu'on y est, donne-moi l'argent qu'elle t'a remise. Quel argent? Hey! Ne me pousse pas à bout. Donne-moi cet argent. Titi. Papa! Titi, s'il te plaît, tu sais que je t'aime. Donne-moi l'argent. Titi, c'est moi. Papa! Allez, donne-moi cet argent. Quand tu la quitteras, on pourra profiter de cet argent. Mais c'est même quel genre de bêtise, hein? J'avais cet argent entre mes mains. Elle me l'a pris. Où sont-elles? TSMD! Odigoma! TSMD! Où est-ce que vous êtes? Odigoma! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, pourquoi est-ce que tu crées? Qui a pris mon argent? Hein? L'argent? Quel argent, monsieur? De quel argent est-ce que tu parles? L'argent que j'ai gardé dans mon pantalon. Une minute. Odigoma vole-t-elle papa pour le donner à Noa Bézé? Mon Dieu. Cet argent, c'est 40 000. L'argent de la réunion que je gardais. Oh, c'est un coco. On ne savait pas que tu avais de l'argent dans ton pantalon. En plus, tu ne l'as pas gardé chez nous. Ah, ah. Nous ne sommes pas des voleuses. Que veux-tu insinuer? Que ma fille et moi l'avons pris ou quoi? Ai-je appelé ton nom? Ai-je appelé le nom de quelqu'un? Je pense que tu blagues avec moi. Ou ta conscience te juge déjà? Je vous en prie, respectez-vous. Je ne suis pas d'humeur. Qui a pris les 40 000 naira que j'ai gardé? 40 000 naira? 40 000 naira. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur. Et j'ai besoin de cet argent maintenant. Hey! 40 000. TSMD. Papa. Odigo. Vous ne dites rien. Qui a pris mon argent? Papa, ce n'est pas moi. Oh. Je n'étais même pas au courant que tu avais cet argent. Papa, ce n'est pas moi. J'étais à la rivière et de là, je suis allée au marché. Tu devrais demander à ceux qui étaient à la maison. Elles devraient savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens qui étaient à la maison? Veux-tu insinuer que c'est ta sœur qui a pris cet argent? Hein? Odigoma, tu as quitté cette maison. Non, papa. J'étais à la maison toute la journée. Tu peux demander à Tisende. Hein? Quelle Tisindiri?
Où est mon argent? Eh bien, papa, si elle dit qu'elle était à la maison, peut-être que c'est vrai. Elle n'est allée nulle part. Je ne suis allée nulle part. J'étais à la maison. Vous pensez que je suis un fou? Si personne ne me ramène ces 40 000 nairas dans cette maison, je vais mettre tout le monde à jeûne dans cette maison. Il n'y aura plus de nourriture dans cette maison. C'est faux. Mon mari, c'est juste pour... Personne ne va plus manger dans cette maison. Juste ces 40 000 nairas. Tu mens. Comment est-ce que je peux perdre 40 000 nairas dans ma propre maison? C'est ton devoir de nous nourrir dans cette maison. C'est ton devoir. C'est ton devoir. On verra bien. Personne ne mangera plus. Je ne peux pas souffrir pour un truc que je ne connais pas. Oh. On verra bien. C'est ton devoir de nous nourrir dans cette maison. Je ne veux pas souffrir pour rien. Maman, je n'ai rien pris, oh. Ta sœur et toi feraient mieux de parler. Maman, je n'ai rien pris. Remettez vite cet argent, oh. Que la colère de votre père. Je n'ai rien pris, oh, je maman. Je ne le sabbat pas sur vous. Maman, je n'ai pas vu d'argent, oh. Je le jure. Tu as intérêt. Regardez-la. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'y a-t-il? Je te le demande. Je ne suis plus libre chez moi. C'est tout, reste de ton côté. Je dis reste de ton côté. Tu penses de reculer, me donner des ordres. Tu ferais mieux de te respecter si tu ne veux pas que je te corrige. Sinon, que feras-tu? Femme sans vergogne. Tu t'es dit. J'ai dit de rester de ton côté. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Bien. Reste loin de moi. Tu paries. Mamao. Ma fille. Oui, ma fille. Mamao. Ma mère à moi. Hey. Hein? Mamao. Mamao. Hein, ma fille? Ma mère chérie à moi. Hey, ma fille à moi. Mon soleil du matin. Hein? La femme qui fait battre mon cœur. Ma fille. Hey! Oh. Ma fille à moi! Maman! C'est énorme ça! Oh. Ma fille à moi, oh! Hey. Tu es bénie, ma fille! Hey. Tu auras tout ce que tu souhaites! Hey. Tu es une grâce! Hey. La plus belle! Maman. La plus belle! Maman! Venez voir, oh! Maman! C'est vraiment bien! Hey. Ma fille soit bénie. Hey, bravo, ma fille. C'est une bénie. Tu auras tout ce que tu souhaites. Ne la prenez pas, ma chérie. Ne vous occupez pas d'elle. Sois plutôt fière de ta fille. C'est tout. Regardez-les. Regardez-les. Ma fille soit bénie. Ne vous occupez pas d'elle. Regardez-la, ma mère. Regarde, elle en bat. Les jalouses m'auront rien. Petite jalouse. Et au moins, tu es une jalouse. Elle en bat. Pas des personnes jalouses. Honte à toi. Honte à toi. Ne vous occupez pas d'elle. Honte à toi. J'ai une aigrie. Elle ne peut que ça. Ne vous occupez pas d'elle. Je t'ai jaloux, Yoma. Avec une bonne fille. Tu es vraiment bien. Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Les autres ne peuvent être que jalouses des bénédictions de Dieu dans ta vie. Il y a également des vrais problèmes. Regarde tout ça. Une bonne vie, ma sœur. Je ne cesserai de la bénir. Ma fille est bénie. Je ne cesserai de la bénir. Ne t'occupe pas de ça. Hey. C'est vraiment méchant. Du bon pantalon, on l'aime. Hey. Cette fille est vraiment bénie. Oh. Regardez l'ennemi. Non. Regardez l'ennemi. Les jalouses nous vont tu rien. Tu iras de l'avant, ma fille. Regardez les enfants reconnaissants sont toujours bénis. Je te bénira pour tout ce que tu fais, ma fille. Venez voir ce que ma fille a apporté. Hey, les sorcières. Les gens qui n'auront rien du tout. Elles n'auront petite rien. Petite aigrée. Tu ne peux que faire ça pour cacher ta honte et ta jalousie. Console-toi avec ta pauvre chambre. Mais tu n'auras rien. Il faut avoir une vraie fille. Une qui pourra te ramener de bonnes choses aussi. Comme ça, tu arrêteras d'être jalouse. Oh, Nyala, espèce d'aigrie. Tu chantes des cantiques. Tu chanteras. Tu chanteras. La danse de la prostitution. Tu ne peux plus te réveiller, petite jalouse. Prostituée. Jalousie va s'étouffer. Jalouse va s'étouffer. Espèce de jalouse. Tu veux pas te ramener de jalouse. Prostituée. Si tu voyais ce qui s'est passé au marché. Toutes ces femmes inutiles. Et ces stupides filles se comportaient. Toutes ces femmes inutiles. Comme si elle devrait être la prochaine reine de ce village. Prochaine reine, mon œil. Je t'assure. Que Dieu nous en préserve.
quand je suis encore là, maman. Ha! Quand t'es encore là, tu sais, quand j'y étais, j'aimerais que ce soit toi. Hé, hey, ma fille, tu dois te marier. Mais qu'est-ce que je raconte? D'ailleurs, qui sait où elle a pris cet argent pour s'acheter toutes ces choses? N'importe quoi. Bien évidemment qu'elle a couché avec plusieurs personnes pour pouvoir en arriver à ses fins. Maman, peu importe comment elle gagne son argent, l'argent égale à l'argent. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ne redis plus jamais ça, l'argent c'est l'argent. Au lieu de chercher une bonne personne pour s'occuper de toi. L'argent c'est l'argent. Ce stupide homme qui vend les laits ou je ne sais trop quoi. Cet idiot de moi a baisé le bon à rien. Il vend juste des provisions et pourtant Dieu t'a donné du miel. Du lait et du miel. Hein? Pour mélanger. Maman, mon baiser a un futur brillant. Un jour, il aura une grosse voiture. Regarde-toi. Cherche des hommes plus riches que moi, baiser. Laisse-moi te dire, moi, baiser, qu'est-ce qu'il vend? Des petits sachets de lait en plus. Moi, baiser, vend des sachets. Même pas des boîtes de lait. Elle ne pourra même pas s'acheter une Corolla. Alors, cherche-toi un homme riche et stabilise-toi. Je vais te dire, maman. Ah. Maman, je ne veux pas que mon mariage ressemble au sien. Ce qui veut dire, je veux un homme avec lequel construire. Afin que demain, il se souvienne que j'étais à ses côtés quand il n'avait rien. Et c'est quoi, Abizé? Tu es venu profiter des biens de papa. C'est pour ça qu'il te traite ainsi. Alors, je suis venue profiter des biens de ton père? C'est ce que je dis. Ok. Ok, je prie que tu trouves le chat d'homme que tu veux. Amen. C'est ma prière pour toi. Que ce soit mon Abizé, continue de le suivre. Oui, maman. Comme c'est ce que tu veux. Il faut prier pour moi. Je prie vraiment pour que tu puisses savoir ce que tu cherches dans ta vie. Ok, c'est ce qu'on fera. Bientôt, il vendra même l'un de tes seins pour qu'il puisse devenir riche. Je te préviens, Justo. Maman, ne t'en fais pas. Plus réussi, je mon baiser va réussir. Mon ami, tu es très chanceuse. Tu peux le redire plus fort. Je ne sais pas, je suis juste surprise. Que fais-tu de si spécial que ta sœur ne fait pas pour lui, pour qu'il lui achète aussi toutes ces belles choses? Tu essayes de saboter ma joie maintenant. Pourquoi tu parles maintenant de ma sœur? Non, je suis curieuse. Je me pose juste des questions. De toute façon, comme tu veux savoir, il y a une différence entre une femme avec un corps entièrement sucré. Et celle qui se trimballe partout avec ses reins amers. Ah, mon ami, je te le dis. Tu es le vrai deal. C'est le temps. Tu peux le dire encore. Je suis contente pour toi, oh. Merci beaucoup, oh. Je suis très contente, sérieux. Eh bien, tu peux venir à la maison et prendre ce que tu veux. Oh, vraiment? Ah, il y en a pour tous. Je n'attendais que ça, oh. Je te connais. Eh bien, je dois partir. Ah, si vite? Tu sais comment ma mère peut être des fois. Ah. Ne t'en fais pas. Quand tu pourras, tu passes juste choisir. D'accord. On se voit prochainement, ok? Sans souci. Et n'oublie pas de passer faire ton choix, oh. Sans souci. Très bien, bye très bye. Bien. Kosi! Kosi, Sochuku! Kosi! Papa? N'est-ce pas toi que j'appelle? Désolée, désolée. À quoi est-ce que tu penses? Non, rien, rien. Ha! Papa? J'espère vraiment qu'il n'y a rien. Ma fille, ton amie est partie? Oui, elle vient juste de partir. Ah, elle est belle. Hein? Oui, papa. Elle l'est. Ma fille, il est grand temps que tu te trouves un homme qui pourra s'occuper de toi. Hein? Tu sais que tu es belle. Hein? Écoute, je t'en supplie. Ma petite princesse. Mon petit cœur. Papa. Tu sais que tu es ma fille. Ne t'inquiète pas. Hein? Je vais te ramener un homme. Tu le verras, je vais le ramener. Hein? Oui. S'il te plaît, apporte-moi à manger, j'ai faim, d'accord? Ça, c'est ma fille. Je te fais confiance, ma fille. J'arrive, papa. Je sais que tu me rendras fière avec tout ce potentiel. Hein? Hey, ma fille à moi.
Eh? Ces habits sont beaux. Merci, maman. Ce jeune homme t'aime. Hey! Tu sais que j'ai du goût. Tout comme ta mère. Oh! Où tu penses être tombée du ciel? Eh? Et qu'en est-il de Kosi Sochuku? Est-ce que tu l'as vu? Oui, mais elle ne les a pas encore vus. Je lui ai demandé de venir choisir une ou deux choses. Ce qui veut dire qu'elle viendra après. Oui. Ce sont de beaux vêtements. C'est vrai, maman. J'aimerais juste redevenir... tu sais, redevenir jeune femme et avoir mon homme. Maman. Mmh. Ah non. Calme-toi, tu es chez ton mari et tu demeures ici. Donne-les-moi. Je sais que ce sont tes choses, mais si je mets toutes ces choses que vous mettez... Hey, si je sors, personne ne saura même que j'ai une grande fille. Je sais que tu es une bonne sœur. Tu l'as dit. Sexy, maman. Bien sûr que oui. Maman, toi alors. Je t'assure. Regarde-moi. Non, maman, tu es belle. Sois toujours en joie, ma fille. Hein? Hey, je ne cesserai jamais d'être heureuse. Je m'apprêtais déjà à venir te chercher au champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, rien. Je me reposais juste au champ. Te reposer au champ au lieu de rentrer? C'est quel problème? Au moins, tu es rentrée. Laisse-moi préparer quelque chose à manger. Adigoma. Je me demandais si tu pouvais venir choisir une ou deux choses. Autant oui, que ma tu sœur. Pourras. Maman. Laisse-moi les prendre pour elle, n'est-ce pas? Pour qui tu te prends? Tu as très bien tourné tes reins pour ça. Hein? Fils sans vergogne. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Regarde ça, maman. Tu achètes les allions et tu viens te vanter ici avec? Laisse un peu voir. Enlève tes papiers. En plus, vous n'avez même pas du goût. Vous n'arrivez pas à voir un pas du tout. Yeah. Regardez-vous. Vous n'avez pas honte. Regardez deux vieilles aigris. Oh. Regarde celle-ci. Oh. Une prostituée. Des vieilles peaux comme moi. Vous osez qualifier ça d'ailleurs alors que vous n'en avez pas. Oh. Puis peut les acheter. Laisse ça. Peut-être en panique. Regarde les embrouillés. Maman, tu prends ça dans du haut. Tu te moques de toi-même. Bande de jaloux. Continuez à tourner ses reins. C'est la tienne qui le fait. C'est toi qui ne fais qu'à rien. On y va. J'ai bien fente. Tu es très ridicule. Si on va à l'intérieur. Elle est prostituée. Pardon. Elle parle dans mon. Dépêche-toi de t'en aller. Maman, viens, on y va. Prostituée. Regarde-les bien, ma chère. J'essayais juste d'être une bonne sœur. Je ne les aille pas. Je n'ai pas de justice. Regarde-les. Elle se fait que ses amis ont gagné à la soirée. Maman, viens, on y va. Vous êtes ce qu'on fera. Maman, allons-y. Laisse-les. Vous devriez avoir envie. Ne cessez jamais de lui donner tes choses. Des tu les garderas pour ta sœur. Placez-vous une fois au portail. Enviez-nous. Tu n'essayes plus jamais de donner tes choses à cette fille-là. Suis-je déjà folle? Ta petite sœur les portera. Garde-les. Otigoma. 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 Qui a-t-il? Écoute, mais si Dieu parle à mes oreilles. Dieu t'en préserve. Tes oreilles ne peuvent pas parler à tes yeux. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que j'ai dû grandement ouvrir mes yeux pour voir. Que s'est-il passé? Mais c'est sans commentaire. Qu'as-tu vu, non? Otigoma, je suis allée à la boutique de Moabizé pour acheter des provisions. J'ai vu Tissembe, ta sœur, assise sur les cuisses de moi baissée. Ils s'enlaçaient et s'embrassaient. Ibéré, tu sais que tu aimes le commérage. Moi, blaguer. Donc, je n'ai rien à faire pour inventer tout ceci. Ah. Je te dis la vérité, toute la vérité qu'il y a dans ma bouche. Vraiment? Je te le dis. Mon propre noix baisée. Oui. Avec Tissembe, ma sœur. Assise sur ses genoux. Où sont-ils? Dans la boutique. La boutique? Oui. On y va. Dépêche-toi. Mon noix baisée. Dépêche-toi. Avec Tissembe. Mmh. Hey. Tu m'as manqué. Tu m'as également manqué. Tu m'as trop manqué. Si. Je t'aime tellement. Oh, arrête ça. Tiens. La façon dont tu t'es baissée hein, et que tu t'es cambrée. Quelle honte. Je suis désolée, non. Vous êtes vraiment une honte pour moi. Toutes les deux. Papa, je suis désolée de t'avoir fait honte. Mais je n'en ai pas terminé avec cette cervelée. Petite dévégondée.
n'ose pas m'appeler comme ça. Ne l'aide pas aussi. Je vais te gifler. En plus, t'es une voleuse. C'est ta mère qui est une voleuse. Est-ce que vous allez fermer vos gueules? Pour qui est-ce que vous me prenez? Alors comme ça, je suis si insignifiant. À ce point où, devant moi, vous continuez de vous injurier. C'est quoi ce mépris? J'ai dit assez! Vous êtes folle. JSMD. Mon mari, qui a-t-il? Digoma. Digoma, pourquoi tu m'as souillé? Tu as des enfants inutiles dans ma maison. Digoma, pourquoi m'as-tu souillé? Bien. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Hey. Hein? Maman. Hey. Dis-moi. Vous m'avez fait honte dans cette maison. Vous avez fait de moi un sujet de moquerie. Hey, Nawa. Yuma, es-tu au courant que ta fille fricote maintenant avec ce même jeune homme que j'interdis à sa sœur de voir? Dis-moi! Hey! Hey! Et alors? Peut-être qu'il la trouve plus attirante. Hein? On ne force pas quelqu'un à manger ce qu'il n'aime pas. S'il la préfère, vous la laissez s'aimer. Hein? Yuma, c'est maintenant que je comprends que tu es dépourvue de tout sens. Hey. Écoute ce que tu vomis. Oh, je suis dépourvue de sens. Oh, tu pleurais. En disant que je suis trop belle, très intelligente, que tu ne peux vivre sans moi il y a de cela des années. Aujourd'hui, tu réalises que je suis dépourvue de sens, mon mari. Oh, Seigneur. Regarde-toi. Hey! N'importe quoi. Oh, c'est ce que tu dis? Hé, hey, ma chère, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de toi. Je n'ai pas honte. Alors, tu es d'accord? Donc, tu es d'accord avec toi. Toi, tu es venue de nulle part. Tu m'as arraché mon mari. Et c'est la même chose que ta fille a fait à sa sœur. Tout ce que vous savez faire, c'est vous pavaner partout et arracher les maris des gens. Honte à toi, tu es une femme honteuse. Tu es une femme honteuse. Ok, je suis honteuse. Oui. Je t'ai comprise. Comme tu viens de réaliser que je suis honteuse, maintenant laisse-moi te demander. Si t'es aussi secret, ton époux, qui est notre époux, ne serait pas venu me chercher. C'est parce qu'il n'y a rien de secret sur toi. Tu es tellement amère. Mais il a vu du secret en moi qu'il a fini par venir vers moi. Exactement. Je pense que c'est ce que le jeune homme a vu. Et c'est ce qui a fait qu'il abandonne sa fille pour ma belle et magnifique fille. Ta magnifique fille? Oui. Tu es sans vergogne. C'est toi qui l'es. Tu es vraiment insensé. Toi encore plus. Toi de même. Tu es dément. Une perdue. Tu es vraiment stupide. Tu es une femme stupide. Toi également. Papa, ma mère n'est pas une femme stupide. Non. Vas-tu fermer ta gueule? Dis-lui. Elle ne l'est pas. Tu es stupide. Hey, papa, c'est... Odigoma, passe le temps à voler ton argent et l'argent de sa mère pour le donner à Noibézé. Papa, ne l'écoute pas, oh. Quoi? Elle le dit pour essaie de faire semblant. Ne l'écoute pas. Papa, je ne mens pas, oh. Je l'ai déjà attrapé. Dieu. Tu te rappelles de tes 40 000 naira que tu cherchais l'autre jour? Elle les avait données à Noibézé. Hey! Noibézé m'a aussi informé qu'elle a l'habitude de lui donner beaucoup d'argent. Hey, wow. Maman ne la croit pas, elle ment. Va, tu la fermer? Maman ne la croit pas, elle ment, voyant. Tu vas la fermer? Maman, elle ment, voyant. Laisse-moi tranquille, elle ment. Regardez ce que je me suis moi-même fait. Donc comme ça, tu n'es qu'une petite voleuse. Hey, ma fille, lève-toi. On t'accuse alors qu'il y a des criminels comme son liberté. Regardez ce que je me suis moi-même fait. Ma fille, nettoie-toi et ne t'inquiète pas pour ton chien. Ah. Telle mère, telle fille, tout ce qu'elles savent faire, c'est bavarder et juger alors qu'elles ne sont que des voleuses. Voleuses, quelle honte! Regardez-les, monsieur et madame, comme ça tu ne parles plus. On a scotché ta bouche, espèce de voleuse, rapporteuse, insensée et femme faible, tu es. Vilaine femme, Biko, on y va. Je ne peux que profiter de voleuse. Cette situation, tu n'en auras plus. Et j'en ai fini reviens. Avec toi. Reviens, il manque des injures. Vas-y, reviens. J'en aucune ai fini. Aucune dignité. Voleuse. Aucune dignité. Voleuse. Dévergondée. Tu la fermes, voleuse. Dévergondée. Dis-le à ta fille. Je te vois. Quelle honte, voleuse. Ah, je te vois. Il me rendra justice. Je te vois. Cette fausse accusation sur ma fille. Je dis, je te vois. Chuku inazikome.
Hein? N'est-ce pas toi le stupide, moi baisé? Comme ça, tu couvres ta face avec ta casquette, pensant que je ne vais pas te reconnaître. Qu'y a-t-il? Bonjour, bon après-midi, monsieur. Qu'y a-t-il de bon dans ce jour? Hein? Quel est ce vaurien qui court après deux sœurs? Monsieur, je ne cours pas après deux filles. Une est venue vers moi, et moi je suis allé vers une. Je ne suis pas parti auprès d'une. Et tu as bêtement accepté? Mais bien sûr que oui. Réfléchissant avec le bail, non avec ta tête. Sachant tout de même qu'elles sont sœurs. Laisse-moi te dire, écoute-moi très bien. Si jamais je te revois auprès de l'une de mes filles, tu vivras pour raconter cette histoire. Pour tout l'argent que ma fille a volé et t'a donné, tu y répondras prochainement quand je viendrai avec des jeunes. Excusez-moi, monsieur. M'avez-vous donné de l'argent? Ou j'ai oublié? Tu me le demandes. Je vous le demande. Donc, moi qui suis devant toi, tu me poses une question. Hein? Ne t'en fais pas. Quand je vais ramener les jeunes, je te dirai de quel argent je parle. Que me feront les jeunes, monsieur? Non, mais que me feront ces jeunes? Viens avec eux. Vous n'avez aucune preuve. Écoutez, les personnes à qui vous devez parler, ce sont vos filles, pas moi. Surtout Hattie, parce que c'est une vraie effrontée. Ha! Dans quoi je me suis mis? Dans quoi est-ce que je me suis mis? Je me fais maintenant insulter. Je me fais insulter par un enfant. De toute façon, je ne te blâme pas. Je blâme mes propres filles qui s'adonnaient à toi. Eh bien. Espèce de gigolo. Monsieur, écoutez, depuis que nous sommes là, vous ne faites que m'insulter. Vous m'avez traité de tous les noms, mais j'ai laissé passer. Mais ne m'appelez pas gigolo. Je ne suis pas un gigolo. Oui. Et tout le monde dans ce village sait que je suis très, très utile. Je suis le numéro un des grossistes dans ce village. Oui. Je les achète du lait, du Milo, du Belvita, tout ce que tu veux, je l'ai. Ce sont les premiers signes d'un tout petit être humain. Les égaux sont là, se vantant avec leur maison, avec leur voiture. Et toi, tu es ici à te vanter avec de simples provisions. Sucre, 20 naira. Lipton, 20 naira. Sachet, 50 naira. Et tu en es fier. Calme-toi. Grossiste, mon œil. On verra bien. N'importe quoi. Pourquoi ne serais-je pas fier de moi? N'importe quoi, sachet. Et du lait. Montre-moi ce que toi-même là tu as accompli. Hein? Wabweze. Ah, la belle Kossi. Comment tu vas? Je vais bien. Comment va le business? Bien, je remercie Dieu, tout va bien. Ok. Et toi, quoi de neuf? Je vais bien. Et que veux-tu acheter? J'espère que tu vas bien. Ah, tout va bien. Ok. Donc? J'espère que tes sœurs t'ont finalement laissé tranquille. Ma chère, je remercie Dieu que ce soit le cas. Il ne faudrait pas qu'un jeune meure de façon précipitée. Donc, qu'est-ce que je t'apporte? Toi. Attends, tu veux m'acheter? Kossi, tu ne peux pas m'acheter. Hein? Voyons, Onobese. Tu sais que je t'ai toujours voulu. Mais tu as choisi mon ami. Je n'ai pas choisi d'aller vers ton ami. Ton ami a choisi de venir vers moi. Et je n'ai pas dit non. De toute façon, son temps est passé. Maintenant, c'est le mien. Non, mais attends, tu veux. Ne sais-tu pas que cette fille est ton amie? Mais pour l'amour de Dieu. Et alors? En quoi cela me concerne? Vraiment. Écoute, Angweze. Tu sais, donne-moi juste cette chance. Je te promets. Je vais te rendre heureux. Oui! Et je vais t'aider à te sortir de cette histoire de deux sœurs. Tu sais que je suis l'enfant unique à mon père. Et tu es en sécurité avec moi.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que je ne vais pas voir? Hey! Hey! Ce n'est pas si dur. Ton ami. Ok, que... attends. Tu sais que ces deux sœurs m'ont trop fait honte. Et tu veux que je recommence une autre? Non, moi je n'en peux plus. Écoute, je ne peux pas. Écoute. Ne t'inquiète pas. Personne ne le saura. Qui lui dira d'ailleurs? Non, attends, tu voudrais qu'on joue encore à ce jeu de cache-cache? Appelle-le comme tu veux. Kossi, tu sais quoi? Laisse-moi y réfléchir. Je vais y réfléchir. Ok, sans problème. Bye bye. D'accord, tu rentres bien. Bon après-midi. Bon après-midi. J'aime racheter du tapioca. Deux boîtes. Deux verres. Oui, ajoute. C'est chi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Désolée pour l'autre jour. Hein? Je suis désolée de la façon dont je me suis enfuie. Mais je ne voulais pas être blessée. C'est pourquoi j'ai... désolée. Aïe! Kossiso, je ne pouvais pas imaginer ça venant de toi. Hein? Regarde Ebere Chukwu. Elle est restée près de son amie durant toute la bagarre. Toi, tu m'as laissée. Hein? Tu es une si mauvaise amie. Je suis désolée, voyons, hein? Je t'ai donné mes Quelle raisons. Quelle raison, hein? C'est quoi cette raison? Hein? Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Je t'ai dit que j'étais désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, baiser. Tu es si méchant. Hein? Après tout ce qui s'est passé l'autre jour, tu n'es même pas venu me voir. Tu viens de dire que tu es sans cœur. Tu n'as pas suivi que ton père est venu chez moi et m'a mis dans l'embarras. Tu aurais dû voir comment il... Si ce n'était pas parce que c'est ton père, de toute façon, je l'aurais touché. Aïe, cet homme n'allait pas aimer. Mon père? Ton père. Même comme ça, hein? Ma chichi, il vient de dire qu'il a été menacé par ton père, hein? Tu sais que c'est pas bien de désobéir au père. Kossi. Pardon. S'il te plaît, peux-tu nous laisser? Je veux parler avec lui. Hein? Tu veux dire que je rentre? Kossi, donne-nous un peu d'espace. Je veux parler avec mon petit ami. Hein? Écoute, Chi. Tu connais cette situation. Et je n'aimerais pas que quelqu'un passe et vous voit tous les deux ensemble. Si nous sommes trois, personne ne suspectera rien. Hein? Kossi, ne t'en fais pas pour ça. Merci beaucoup. Tu peux nous laisser. Kossi, ne m'entends-tu pas? As-tu un problème à l'oreille? Kossi, laisse-nous seuls! Je veux juste te protéger. Merci beaucoup. Tu peux partir. Tu sais Kossi, que... Kossi, nous avons besoin d'espace! Tu m'as demandé de partir? Hey, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Kossi, Sochuko, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles! Ok. C'est ce que je te demande de faire depuis. Allez, vas-y. Je peux rester ici. Kossiso, s'il te plaît, éloigne-toi de nous. Regarde, je suis désolée. Tu m'as manqué, tu sais. Je ne t'ai pas aussi manqué. Regarde-moi alors. Mais tu m'avais dit que je suis l'amour de ta fille. Hé, Chi-Chi! Cet endroit n'est pas sûr, hein? Tu connais ton père, hein? Il voudrait Regarde, mieux. Kossi. Je suis en train de parler avec mon petit ami. Kossi Sochuku, je suis en train de demander pardon, hein? Ne t'en fais pas, tu peux partir. Tu peux partir, hein? Ah, Kossi, va-t'en. Ne t'en fais pas, je suis en sécurité, va-t'en. Ok, je vais m'en aller. Vas-y. Madame, pardon. Vous ai-je donné de l'argent? Ok.
Je m'en vais, oh. Ok, d'accord, vas-y. Merci. Bye bye. Je m'en vais, oh. Ah, oui, vas-y, bye. Kosi, bye, hein. D'accord, bye bye. Ah, c'est quoi toutes ces bêtises? De toute façon, oublions Kosi. Je suis désolée. Regarde, il y a des gens. Alors, qu'est-ce que tu dis? Nous... Oh, hein? Ok, je vais te le dire, ok? Écoute, je vais te le dire. Tu te rappelles de ces jours? Pourquoi est-ce que tu rais? Ils sont encore tous gravés dans ma mémoire. Le vrai amour. Très attentionné. Et tu as soudainement changé. Pourquoi ne devrais-je pas changer? Non, dis-moi, pourquoi ne pas changer? Ah, nous étions heureux tous les deux. Je t'aimais et te traitais comme un roi. Mais tu ne me l'as jamais retourné. Tu t'es plutôt levé, tu es allé chercher une deuxième femme. Une qui est très méchante. Que voulais-tu que je fasse? Je te supplie de me pardonner. Ah, j'aurais voulu que tu me dises ceci il y a bien d'années. Ça aurait fait une énorme différence. Mais maintenant... ça ne compte plus vraiment. Non, arrête de pleurer, ok? Il faut tenir le coup, fais-le pour tes enfants. En ce qui me concerne... Je t'en supplie, vraiment. Non. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout ce pardon que je ressens... Pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Pardon. N'est qu'amertume, colère et haine. Et je ne fais rien pour moi, mais reste pour tes enfants. Oui. Je prends congé de toi. Je dois partir. J'y irai. Je m'en vais. J'y irai. Je suis désolée. Dis. Pardonne-moi. Papa? Papa, je suis en train de me rendre chez une amie. Je serai de retour bientôt. Papa? Papa? Je vais voir une amie, hein? Hein? Je serai de retour bientôt. Il dort. Es-tu vraiment sûre qu'il dort? Je ne sais pas. Il est peut-être fatigué. Papa? Monsieur Masi. Masi Ono. Papa? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Masiono. Attends. Masiono. Sang de Jésus. Masiono. Masiono. Ce coin-ci, ne sais-tu pas qu'il ne se sent pas bien? Papa? 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 Maman? Jésus. Maman, viens vite! Maman! Masiono. Maman! Jésus. Masiono. Papa, s'il te plaît. Papa, c'est moi, non, je suis Ozona. Tu es bon, pourquoi tu cries? Papa, qu'y a-t-il? On ne sait pas. Il ne répond pas. Papa ne répond plus, où est maman? Maman! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, ne bouge plus!
Papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Mon fils, papa. Et papa. Qui a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je sais quoi ces blagues. C'est quoi ces blagues? Attends. Allez, papa, réveille-toi. Papa, Bicolette, papa ne veut pas répondre. Mon mari? Hey, papa. Mon mari. Papa. Vas-y, Kédé. Mon père ne bouge plus. Vas-y, Kédé. Hey. Que fais-tu placé là? Viens. Hey. Hey. Mon ami. Hey. Timon. On va pas jouer. Cossi, Cossi. Ma belle Cossi. Allez, tourne-toi. Tourne-toi. Hey! Noa Bézé, tu es chanceux. Hey! Tu es belle. Merci. J'aime quand elles ont confiance en elles. Hey! qu'as-tu entre les mains? Oh! Je t'ai ramené de la nourriture. Hey! Tu vois pourquoi j'ai dit que tu étais la plus sucrée de toutes. Hey, ma Cossi, bébé. Bien sûr, je suis la meilleure d'entre elles. Oh. Hey, c'est vrai. Hey, parce que la nourriture est entre tes mains. Go. Quoi? Je sais que tu veux me demander d'aller laver ses habits pour toi. On dirait que tu lis dans mes pensées. Lave-les pour moi, afin que je puisse manger avant de m'écrouler. Le. Non. Ah, tu ne mourras pas, oh. Écoutez, ne t'inquiète pas. La mort ne peut pas me voir. Jamais, pas du tout. Je vais. Ok. Go, go, go. Hey. Hey. Attends, je reviens. Aïe, tu veux baiser. Bon après-midi. Bon après-midi. Ah, que fais-tu ici? Je passais juste. Donc, j'ai décidé de venir vérifier si c'était vraiment toi ou quelqu'un d'autre qui essaye de voler l'homme de ma copine. Je vais juste tuer cette personne. Alors, vous êtes de nouveau ensemble? Oui, bien sûr. Nous sommes remis ensemble. Ok, je m'en vais. Je pense que ton chemin est de l'autre côté. Non. Ne t'inquiète pas, j'ai changé d'avis. Je vais prendre le raccourci. Je venais juste me rassurer. Ok. D'accord. Je ne comprends vraiment plus Cossi Sochuku. Elle se comporte bizarrement ces jours. C'est ton ami. Demande-lui. Pas moi. Ouais, c'est vrai. Je vais le faire. Avant que je ne l'oublie, j'espère que tu vas venir à l'enterrement de mon père. Parce que tu sais, depuis qu'il est mort, tu n'as pas rendu visite. Attends, tu veux que ta famille me tue? Oh, alors c'est ton plan? Te tuer, comment? Mon père n'est plus, alors il n'y a pas d'obstacle. Attends, et tu oublies que Odigoma et sa mère vivent encore dans cette maison? Ceux-là, ne t'en fais pas pour eux. Hein? Tu n'as pas à t'en faire pour ces gens-là. Ma mère et moi s'en occuperons. Hein? Noa Bézé, il faut venir. Il faut au moins que tu viennes à l'enterrement de mon père. De toute façon, j'ai tout le monde faim. As-tu préparé? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu me demandes si j'ai cuisiné? En tout cas, il y a de la soupe. Désolée, oh. Tu as préparé la sauce? Cette sauce va être sucrée, oh. De toute façon, je m'en vais retirer la mienne. Noa Bézé, toi. J'ai hâte de goûter cette sauce. Continue, attends, continue de te moquer. Mais c'est tu ris. Mon bébé a fait une sauce. Hey. Bébé, comment avancent les préparatifs du deuil de ton père?
C'est encore comme un cauchemar. Je veux juste... C'est difficile pour moi d'accepter que mon père est mort. C'est bon. C'est bon. Ça va aller, ok? Juste ressaisis-toi. Je ne fais plus de foi. Ça va aller, ok? Ça va aller. Ressaisis-toi, je t'en prie. Bon après-midi, ma sœur. Audi, bon après-midi. C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle nous regarde comme ça et pourquoi ce comportement? Je ne sais pas. Je vais juste... Je vais lui parler quand je vais rentrer. Ça va, ça va, ça va. Alors? Viendras-tu au deuil de mon père? Bébé, je dois être à Lagos à la première heure demain matin. Je devrais voyager. Mais je crois que je serai déjà rentrée. Donc, je ne serai pas là. Si Dieu le permet, je serai là. Ne dis pas si Dieu le permet. Je veux okay, juste que tu sois là. Je te promets que je serai là, ok? Juste calme-toi. Ok? Hey, bébé, je suis désolé, hein? Je suis vraiment désolé. Écoute, j'ai pas voulu que tu vois ce que tu as vu hier. Je suis désolé, mon amour. Qui est ton amour? Toi, non? Pourquoi je ne serais pas fâchée? Hey, écoute, tu as tous les droits d'être fâchée. Mais je suis désolé. Désolé? Désolé. Être désolé va-t-il ramener le gombo que j'ai préparé avec tellement d'amour que j'ai jeté? Hey, tu as préparé le gombo hier et t'as osé aller le jeter vrai. Hey, et ce n'est pas juste. De plus, tu aurais pu me dire avant de venir hier. Hein? Hein? Donc tu voudrais que je demande la permission avant de venir chez toi? Oui, bien sûr, tu dois le faire. Tu dois me prévenir avant de venir. Sinon, tu vas continuer à voir ce que tu as vu hier. Et rappelle-toi, elle était là avant toi. Et alors quoi? Hein? Elle t'a également volé à quelqu'un. Donc, c'est mon tour de te voler à elle. Mais écoute, tu m'as déjà volé. N'est-ce pas suffisant? Je la veux hors jeu. Hein? Je te veux à moi, toute seule, rien qu'à moi. Non, 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 continuez. Faites comme si je n'étais pas là. Lâche-moi. Pourquoi vous lâchez vos mains? Et toi, tu devrais avoir honte. Regarde-toi, noix baisée, homme sans valeur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'on fait ces deux mâles? Non, bébé, est-ce que je sais? Je passais juste. Hein? Coureur de s'il support. Te plaît. Attends. Écoute, ce que je ne vais pas tolérer venant de toi, ce sont les insultes. T'appelles qui comme ça? T'es devenue folle? S'il te plaît, Odigoma, s'il te plaît, ne dis rien à mon ami. On parle juste. Nous parlons juste. Je sais, non? Et pour Tshisemdi, relax, ne t'en fais pas. Hein? Je sais que tu parlais juste à l'homme stupide qu'elle m'a volé. Tu vois ce qu'elle fait? Moi, je suis stupide. Ce n'est pas une insulte. Suis-la naturellement, pas besoin de t'insulter. Quand tu ne peux pas contrôler ce que tu as entre les jambes... Il est tout simplement normal, c'est un engin normal. Il va chercher les femmes. Tu es incapable de contrôler ton entre les jambes. Tu l'aimes. Tu ne peux pas le contrôler. Dis simplement que ça te manque. Regarde-toi, tu deviens tout maigre. Et tu te tiens là encore pour parler. Toilette publique. Tu vas là-bas, tu viens. Oui, ce sont ces toilettes publiques que toi-même tu aimes. Ces toilettes publiques, toi-même tu les aimes. Frivole, s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas de temps pour toi, je m'en vais. Va-t'en. Je m'en vais. Et où? Passé composé. Homme sans valeur. Passé composé. Espèce de vaurien. Passé composé. Regarde-toi. Tu n'as tu même m'as bien pas vu. Honte quand tu n'auras plus conneries. Jamais tout ça. Mon amour, écoute, oublie-la. Dieu m'en préserve. Je suis désolé, hein. Ne fais pas attention. Tu vois ce que je disais? Que des malades. On ne peut pas continuer ainsi. Hein? Je c'est sais. Pourquoi je te dis que je te veux à moi toute seule. Je sais, je sais. Et je te veux à moi tout seul également, ok? Voici ce qui va se passer. Viens plus tard à la boutique, hein? Je te ferai du bien. Cocopico, cocopico. Arrête! Si ce n'était pas cette vidéo, on aurait fini là depuis, hein? Je dois partir maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre me trouve ici. Tu reviens, n'est-ce pas? Odie, continue cette vie de racontage et ne te concentre pas. Va sur toi.
Chisem de remdo. Maman. C'est quoi ce type de sommeil? Tu es là à dormir depuis le matin. N'as-tu pas dormi hier nuit? Je vais bien. Chisemdem. Tu vas bien. Je vais bien. Pas du tout. C'est soit tu dors, ou tu es fatiguée et nonchalante pour faire tes travaux ménagers. Qu'y a-t-il? Tu es sûre que ça va? Maman, je t'ai dit que j'allais bien. Je vais bien. Bien. Chisemdem. Maman. Es-tu enceinte? Ah, maman. Enceinte? Oui, enceinte. Maman, je ne suis pas enceinte, oh. Maman, je ne suis pas enceinte. Regarde comment mon ventre est plat. Oh, tu la fermes. Tu ne sais pas qu'il faut du temps pour qu'une grossesse se montre? Hein? Ne me dis pas que ce... Ne me dis pas que ce boutiquier t'a enceinte. À quand remontent tes menstrues? Hein, Chisemd? Maman, je t'ai dit que je ne suis pas enceinte. Maman, je ne suis pas enceinte. D'ailleurs, même si je suis enceinte, n'est-ce pas toi qui m'envoie... Arrête de crier. Est-ce que tu veux qu'elle t'entende? N'est-ce pas toi qui es en train de me provoquer? Hein? Sors chez toi. Je ne suis pas enceinte. T'ai-je demandé de tomber enceinte de lui? Hey, cette fille, tu m'as tuée. C'est quoi tout ceci? Hein? Et puis pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas intelligente comme les autres filles? Tu sais quoi? Tu es enceinte de lui, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu es ma fille. Tu dois te préparer, faire tes affaires pour que je t'emmène chez lui. Hein? Oui. Ah! Tu ne peux plus rester ici, oh. Tu as compris? Prépare juste tes affaires et je t'emmène chez lui, maintenant. Tu es enceinte de lui, n'est-ce pas? Idiote, je t'ai demandé de passer faire une chose et toi tu peux tomber enceinte. Idiote. Prépare-toi, oh. Prépare-toi à partir. Je ne suis pas enceinte, oh. Tu dois partir, oh. Je ne partirai pas chez lui. Je t'ai demandé de ne pas crier. Qu'y a-t-il? Je ne... Prépare-toi, je t'y emmène de gré ou de force. Réveille-toi. Ah, Mazi, bienvenue. Je t'attendais et je me suis endormie. Ah. Désolée de t'avoir fait attendre. Ah. Comment est-ce que tu vas, ma fille? Je vais bien, Mazi. Papa, bon après-midi. Ah, Kossi. Tontine. Tontine Odi, bon après-midi. Kossi, est-ce que ça va? Papa, je vais bien. Laisse-moi aller à l'intérieur, préparer le repas. Oui, vas-y. Désolée. Eh bien, comme je disais... J'aimerais te parler de quelque chose. Ok, Mazi. Je veux que tu y ailles en ville. Pour que tu améliores tes conditions de vie et que tu rencontres ton époux là-bas en ville. Mazi, si c'est de ça que tu voulais me parler, je n'irai nulle part. Surtout maintenant. Tu dois y aller. Je ne dis pas que tu dois y aller maintenant. En ville, tu sais, tu pourras te faire une meilleure vie. Et surtout te trouver un bon époux. Mazi, tu veux que je parte? Pour que ces gens restent tuer ma mère avant mon retour? Je n'irai nulle part où. Écoute, personne ne tuera ta mère. Rassure-toi, personne ne posera le doigt sur ta mère. En plus, j'irai chez elle pour prendre de ses nouvelles. Ma fille ira également là-bas pour l'aider. Si jamais elle a besoin de quelque chose. Qui? Qu-
Kossi, bien sûr. Kossi, sans Tchoukou. Y a-t-il un problème? Est-ce que l'aïe aider ta mère? Mazi, ce n'est pas tout ce que les yeux voient que la bouche dit. De toutes les façons, je serai ici pour prendre soin de ma mère jusqu'à ce que je voie un homme bien qui viendra m'épouser. Dans le cas contraire, je m'occuperai de ma mère. Je ne vais nulle part. Ma fille, tu dois y aller. Tu sais que je n'ai pas une bonne réputation dans ce village. Tout le monde est contre toi à cause de ton comportement. Donc la bonne chose à faire, c'est d'aller en ville. Mazi, je... Et fais-toi une meilleure vie là-bas. Arrête de vouloir me convaincre. Je ne sais pas te convaincre. Je veux juste sauver ton image. Mais tu dois aller en ville. Et te trouver un mari qui te convient. Je t'ai compris. D'accord? J'ai compris. Je vais au marché. D'accord. Je vais y penser. Très bien, pense-y. Toujours à vouloir m'exécuter mes choix. Salut ta mère. Je vais la saluer. Mes salutations à ta mère. Quoi faire. J'essaie juste de t'aider afin que tu aies en ville et que tu te trouves un bon époux. Au lieu de rester dans ce village. Ha. Où es-tu? Oh, maman! Moi, baiser, sors de là. Où es-tu? Avance. Maman, bonjour, qu'y a-t-il? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai ramené ta femme. Comment ça, ma femme? Vas-y. Je l'ai emmenée chez vous. Comment ça? Attends que je t'explique. Moi, baiser. Tu l'as mise enceinte. Comment ça? Oui, elle est désormais ta femme. Je te l'ai emmenée afin que vous puissiez vivre en tant que mari et femme. J'en ai fini avec vous. C'est le résultat de vos parties de jambes en l'air. N'est-ce pas? Vous pouvez maintenant en jouir. T'es enceinte? Non. Profitez l'un de l'autre. Enceinte? De la même façon que c'est entré. Et où? Maman! Ne m'appelle pas, pardon. Venez la prendre! Venez la prendre! Comment peux-tu tomber enceinte? Es-tu un enfant? Hein? Tu ne sais pas compter ton cycle. Tu connais juste des corjuteux, corjuteux. À chaque fois que tu es là, corjuteux, corjuteux. Mais tu ne sais même pas te maîtriser. Tu ne sais pas compter. Tu es fou. Toi, t'es stupide. Tu es trop bête. Tu n'es même pas normal. Que le tonnerre te frappe. Quand tu me tournais à gauche, tu me tournais à droite et me disais comment j'étais tellement sucré. Ne savais-tu pas que je devais tomber enceinte? Tu veux ruiner ma carrière. Tu veux ruiner ma carrière, n'est-ce pas? Tu l'as fait avec moi. Tu veux la ruiner, n'est-ce pas? Tu vas assumer. Je t'assure que tu verras le feu. Écoute, tu verras le feu, tu ne me connais même pas. Où vas-tu? Je ne te retrouve pas ici. Hein? Si je reviens te trouver, ça me retourne, je te jure, tu verras que tu vois, je me chauffe. Que tu es en train de blaguer. Je n'y vais nulle part. Tu es en train de jouer avec le feu. Si tu veux, par où tu veux, tu viendras me trouver dans cette maison. Je ne vais pas subir ça, jamais. Tu l'es. Écoute, je ne veux pas te trouver chez moi. Noix baiser. J'ai besoin d'argent pour me nourrir. L'argent pourquoi? Oui. Tu vas mourir de faim. Tu vas jeûner dans cette maison. Attends, tu te crois où là? Bienvenue, ma chère. Noix baiser, as-tu réalisé que je suis ta femme? Tu es ma femme? Depuis quand je t'ai épousée? Hein? Je ne me rappelle pas ta voix. Pardon. Si ou je ne sais pas comment tu t'appelles. Laisse-moi me reposer tranquillement avec cet air frais que tu vois là. Ne me dérange pas. Noix baiser. Hein? Souviens-toi, je suis la future mère de tes enfants. Alors tu dois me nourrir. J'ai besoin de nourriture. Tu dois me nourrir. J'ai faim. Hein? Tu sais que je suis Dieu maintenant. Tu dois me nourrir. Tu sais quoi? Viens, assieds-toi ici. En fait, viens t'asseoir par ici. Ce à quoi tu dois penser, c'est comment vendre le terrain de ton père pour prendre soin de moi, de ton enfant et de toi-même. Attends, tu penses que qui va hériter des terres après le deuil de ton père, hein? Ça va définitivement aller à la mère d'Odigoma et elle-même, hein? Pense-y, tu penses que ça va te revenir? Tu n'es pas le premier enfant, mais elle sait. Avec cet argent, tu prendras soin de moi, de toi et du bébé. Réfléchis, voyons. Hein? Mais je ne peux pas vendre notre terrain sans la permission des membres de ma famille. Ah! Qui a parlé de leur accord ici? Tout ce que tu dois faire, c'est de parler à ta mère.
Fais-lui entendre raison. Et s'il accepte, laisse-moi faire le reste. Je vais le vendre pour toi. Hein? Ce que tu dis est pertinent. Hey, bien sûr que j'ai raison. Mon cerveau est un puits de sagesse. Noix baisée, l'homme plein de sagesse. Hein? J'ai compris. Mon petit rayon du matin. Kossi! Kossi Sochukou! Kossi! Papa? Papa? Bienvenue, papa. Pourquoi n'es-tu pas venu au deuil? Papa, je suis rentrée tard. Je me reposais. Et je ne pouvais pas y aller. Tu es rentrée tard, c'est ça? Hein? Tu aurais dû venir au deuil, voir comment on a mis tout sens dessus-dessous. Hein? Et les gens ont commencé à rentrer. Ah. Je te jure. Et le pire dans tout ça, c'est que Ioma m'a insulté. Hey. Moi, elle ose m'insulter. Aïe! Ça, c'est vraiment la fin. Que s'est-il passé? Écoute, je ne veux surtout pas que tu continues à traîner ou à te balader avec cette fille. Est-ce que c'est compris? Oui, papa. Bien. Qu'a dit l'infirmière Teresa? Hein? Je t'ai demandé ce qu'a dit l'infirmière Teresa et tu es là à me dire, hein? Papa. Tu es devenu bègue ou quoi? Papa. Papa, tu sais. Vas-y, parle! Papa, elle a dit, je suis enceinte. Enceinte quoi? Papa! Mais qu'est-ce qui t'a enceinté? Papa! Hein? Papa! Hey! Je suis désolée, papa. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, car je ne t'ai jamais vu avec un homme ou un garçon élancé? Ou alors, gros comme ça. Et tu me dis que tu es enceinte. Papa! Mais dis-moi, quand as-tu commencé à ouvrir tes jambes pour que le passeur, hein, trouve son chemin? Hey! Écoute-tu me de soi? Hey! Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Est-ce que tu vas me dire qui est le responsable de cette grossesse? Hein? Papa, c'est épicier. Qui? C'est un gros bézier. Papa. Hey! Toi, baiser, hey! Papa. Je suis désolée. Eh, wow. Papa. Hey! Je suis désolée. C'est incroyable. Je hey! Suis désolée. Eh, wow. Désolée. Où elle est? Où est ta mère? Je suis avec une machine. Où est ta mère? À l'intérieur. Va l'appeler! Maman? Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'y a-t-il? Donc ta fille et toi avaient planifié, avec son stupide mari, de vendre le terrain de mon père sans mon accord. Hein? Arrête tes sonnades. Maman. Qu'y a-t-il? Maman. Chibouzon, tu t'as fermé. Pourquoi? Pourquoi quoi? Et toi, cette maison, t'appartient-elle dans cette famille? Ou alors mon époux est également le tien, hein? Écoute, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne sais pas, cette terre appartient à tout le monde dans cette maison. Laisse-moi te dire, si je cherche ce document et je ne le vois pas, je vais te déchirer comme un papier. Qu'est-ce que tu peux me faire? Hey! Regarde là, enlève cette chose devant moi. Tu me provoques? Que penses-tu me faire? Hey! Ioma, tu me provoques? Enlève cette chose devant moi. Hey! Que penses-tu faire?
Rien. Si tu essayes, je vais te servir pam pam. Ne me provoque pas, je te le dis. Ne me provoque pas, oh. Tu vrai te sache. Si tu essayes ça prochainement, tu t'es renseigné. Demande à ta mère. Parce que si tu essayes ça prochainement, je vais te mâcher comme le chewing-gum. Cette terre m'appartient. Donne-moi cette machette. Maman, attends, je vais te faire mal. Enlève ta main. Es-tu folle? Es-tu stupide? Comment ai-je atterri dans cette famille utile? Dégage d'ici. Et on m'a, je reviendrai pour toi. Tu es pitoyable. Je reviendrai pour toi. Tu n'auras pas cette terre. Regardez-la. Maman. Et toi? Maman, pourquoi tu es comme ça? Et pourquoi décides-tu de perdre tout le monde? Tu la fermes. Je vais te gifler, oh. Écoute, je te donne à manger parce que je n'ai pas un chien ici. À qui le donner? Tu m'entends? Je mange ta nourriture parce que je n'ai pas le choix. Tu es ma mère. Tu ah oui, tu es tout le temps en train de chercher les problèmes aux gens. Tout le temps, tu cherches des problèmes. Reviens ici et tu verras. Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. No ma, jiriye wayo. Makanu walu me bu wangwe. A bad woman is like a bed bug. When comes, it's hard to get rid of her. Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Kosi Sochuku. Kosi Sochuku. Qui a mis mes vêtements au sol? C'est quoi cette stupide question? Hey! Suis-je ta ménagère? Hey! Hey! Pourquoi tu cries? Kosi Sochuku! J'ai personnellement séché ses habits sur cette corde avant d'aller à l'intérieur pour têter mon enfant. Eh bien, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Hey! Kosi Sochuku, tu me cherches. Kosi Sochuku, tu cherches les problèmes. Tu cherches vraiment des ennuis. Te provoquer. Kosi Sochuku, ramasse ses habits. Tu pars les laver et tu les sèches. T'ai-je bien entendu? Tu devras traverser mon corps. Je ne ferai pas ça. Pardon? Oui! Alors, tu ne dois pas sécher mes habits. Tu m'as bien entendu. C'est à moi que tu parles comme ça. Je vais en finir avec toi. C'est à moi que tu parles comme ça. Pour qui te prends-tu dans cette maison? Es-tu folle? Es-tu folle? Je vais en finir avec toi. Alors tu veux te battre avec moi, c'est ça? Te tenter. Kosi Sochuku, je ne te tente pas. Je vais en finir avec toi. Tu peux le voir. Kosi Sochuku, je... Pour qui te prends-tu? Kosi Sochuku, je vais en finir avec toi. mon gendre. Uchi. Écoute, ce qu'on t'a remis, c'est la totale, le pack complet. Elle n'est pas comme ces filles vulgaires qu'on voit monter et descendre partout. Celle-ci, c'est une perle, elle est diplômée. Je veux que tu la traites très, 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 très bien. Et peu importe où se trouve son père aujourd'hui, il sera très fier. Qu'au moins, l'une de ses filles s'en va. Voilà. Mais je vais te dire un truc. Si jamais tu veux voir la couleur de mon vénin, frappe-la. Mon oncle. Non, essaie de la frapper. Jeune homme, ne touche pas à ses yeux. Ils sont très précieux. Je te préviens. Je te préviens, traite-la comme une reine. C'est le pack complet. Tu vois, je te la donne. S'il te plaît, traite-la bien. Tu dois être tolérant. Tu sais que les femmes ont cette façon de se fâcher. Bien sûr. Mais tu dois vraiment être patient avec elles. Oui. Certaines même, tu les appelles et ne décroches pas. Donc, s'il te plaît, tolère juste ses excès. Outé, mon beau-père. J'ai compris ce que t'as dit. Merci. Et je voulais te dire que les vrais hommes ne mettent pas les mains sur les femmes. Bam.
Sorma est comme une pour moi. Oui, tu connais. Je l'appelle. Tu as tout compris. Le fait très fragile, il peut tomber et se casser. Il est vraiment très fragile. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'elle est comme un œuf pour moi. Ce qui veut dire que je la chéris beaucoup. Voilà, tu as bien parlé. Je ferai tout pour la protéger. Voilà que tu parles bien. C'est très bien dit. C'est bien. Et je l'aime tellement. Oui, c'est normal. Un homme se doit d'aimer son homme. C'est naturel. Oh oui. Eh bien, écoutez, il faut déjà partir avant que... Mon gendre. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. J'ai vraiment apprécié si fort. Pour la cérémonie de mon mariage. Je me dois de le faire pour toi. Je sais. Je suis très heureux. C'est pour ça que je te remercie. Ah, ouais. Tu sais, en l'absence de mon frère, je suis comme un bleu-saute. Vous comprenez? Oui. Maman, on s'en va maintenant. Sans souci, ma fille. Va en paix. Hein? Mm-hmm. Oublie ce qui s'est passé. Tout le reste suivra. Mm-hmm. Ça va aller. Mm-hmm. Prends juste bien soin de ton époux, oh. Je n'y manquerai c'est pas, maman. C'est ton Dieu sur terre, oh. Ok, maman. Ma certainement. Ah, je suis si fière de mon allié avec Nabico. Mon époux. Maman, Osanma, merci. Pense à ta famille, ne fais pas comme certains. Je le ferai. Non. Pas comme celle-là. Vous ne fais surtout pas comme celle-là, Osanma. Bien sûr que je viendrai vous voir. Ne fais pas comme elle. Ne fais pas comme elle, Osanma. S'il te plaît, demande-leur d'amener le reste de mes affaires. Ne l'oublie surtout pas, ne fais pas comme elle. Allez, masse-moi, ça me fait du bien. Aïe. Rebusier, mes reins me font mal. Hein? Hey. S'il te plaît, viens, viens me masser également. Quoi? C'est évident que tu es aveugle. Ne vois-tu pas qu'il est en train de me masser? Et alors? Eh bien, c'est mon tour maintenant. Hey! Si tu t'approches de lui, je vais en finir avec toi. Es-tu folle? Hein? Es-tu stupide? Hein? Es-tu stupide? Hein? Je m'étonne. Qui es-tu? Toi! Adam, qui es-tu? Dis-le-moi! Mais c'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il y a? Suis-je le seul jeune homme qui vit avec des femmes? Mais qu'est-ce qu'il y a même? Je suis là à réfléchir comment me faire de l'argent. Et la meilleure façon de demander les excuses à Odigoma, vous êtes là à vous chamailler. Écoutez-moi très bien. Chacune d'entre vous doit réfléchir. Réfléchir et penser à comment aller demander les excuses à Odigoma. Si elle ne nous donne pas les clés de la boutique, attendez, comment allons-nous survivre? Écoutez, je ne veux plus aucun bruit dans cette maison. Mais c'est quoi ces bêtises? Des vieilles folles femmes enceintes qui bagarrent. Libérez-moi le passage, c'est quoi ça? Toi, je te ferai la peau dans cette maison. Non mais attendez que je vous trouve là. Je vais te battre. Toi, tu veux bagarrer avec moi? Allez, tu veux bagarrer avec moi? Avec cette chose. Je vais tu vas me battre. Tu es dans cette maison. Ah, moi. Je te connais trop bien. Toi, que ta sœur Odogoma traînait au sol. Hein? Toi, tu as le zèle de me répondre. Toi, tu me parles. Toi, cette chose. Tu me parles de cette façon. De toute façon, ce n'est pas de ta faute. Tu vois, mon premier fils, ne t'en fais pas. Quand je vais le mettre au monde, nous allons vous mettre, ta fille et toi, hors de cette maison. T'ai-je entendu dire fille? Bien sûr. Qui te l'a dit? Laisse-moi te dire ceci. Je porte un très beau garçon. Hein? Toi, je vais te donner une leçon. Un bébé garçon, mon œil. C'est hey! À moi que tu parles. Quoi, c'est sur du coup? Je suis prête pour toi. Hey! Moi, aller supplier Odigoma. Que Dieu m'en préserve. Je ne porterai jamais cette honte. Ah! Chisindiri, regarde ce que tu es en train de faire à toi-même. A bad woman is like a bed bug. When comes, it's hard to get rid of her.
arrêtez-vous là. Que faites-vous ici? Noa Bézé, je t'ai demandé de ne plus venir chez moi me supplier. Je ne te donne pas ces clés. S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Que se passe-t-il ici? Voilà. Hé, hey, maman des mamans. Ferme-moi cette bouche. Ma mère, qui est ta mère? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut être ta mère? Je ne suis pas ta mère. Il m'appelle maman. Regarde-moi cette inerte humaine. Ma, bonjour. Qu'est-ce que je vois là? C'est juste le début. Est-ce qu'il t'a enceinté ou alors je vois mal? Il a enceinté. Je ne t'ai rien demandé. Ferme-la. Ok. C'est quoi ces bêtises? Ah! Donc t'es aussi tombée dans son piège? Ta mère doit sûrement se retourner dans la tombe. Elle doit pleurer, maman. Ferme-la! Maintenant, va chercher les clés de sa boutique et remets-les-lui. Maman, je ne vais pas leur remettre ces clés. Je t'ai dit d'entrer et de prendre leurs clés. Idiote! Je dis, dépêche-toi d'aller chercher les clés. Maman, tout ce qui m'appartient. J'ai beaucoup investi dans cette boutique. Qu'as-tu investi? Tu nous as volé ton père et moi et tu appelles ça investissement? Et on t'a pardonné. Maintenant, à ton tour, tu refuses de lui pardonner? Allez, va chercher les clés. Voyons, maman. Je dis, va à l'intérieur chercher les clés. Je n'aime pas ça. Regarde-moi cette idiote, elle me raconte des bêtises. Je suis ta camarade, je parle, tu me réponds. Merci, maman. Merci, maman. J'ai pitié de toi. Tu te joues de toutes les femmes. Penses-tu que tu es l'homme le plus beau de ce village? Et même en toi que je croyais, il a réussi à t'enceinter? Hein? Moi, baiser. Demande-lui. C'est tout ce qu'il sait faire. Tais-toi! Semer le trouble partout où il va. Maman, merci. Merci beaucoup, maman. Je ne vais pas oublier ce que vous avez fait pour moi. Dégagez d'ici plus vite avant que je ne change d'avis. Merci. Je l'ai fait à cause de Kossio. Regarde-les. En cause de Kossi. Kossi est Tu ferais mieux de la fermer. Ne te sens-tu pas mieux maintenant parce que tu as remis les clés? Tu t'accroches à ces clés. Ça veut dire que tu t'accroches encore. C'est encore quoi son nom? Le nom de ce cafard. Moi, baiser. Je sais qu'il est beau, je le sais. Mais il y a encore plein autour. Et même des hommes plus attirants. Quelque chose de différent que moi, baiser. Que je me tourne vers les hommes. Oui, comme ça, quand tu voudras les apprêter pour l'école, tu vas juste les faire rouler comme ça, vu qu'ils seront courts et gros. Non, maman. Tu te sens libre. Tu es libre maintenant. De toutes les façons, fini de balayer.
Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. Ooh. Pourquoi vous vous placez devant moi? On se connaît? Non. Ouais. C'est moi qui suis venu avec des ingénieurs sur le terrain de ton père. Oh, le chef. Comment puis-je vous aider? Nous devons parler. Parler de quoi? Je ne vous connais même pas. Odigoma, je t'en prie. Odigoma, vous connaissez même mon nom. Parler de quoi? Vous êtes un ritualiste. Pardon, je ne vends pas mon terrain. Pretenders do the worst. Coco, les choses, coco. Coco, coco, coco. Tu vois? Après avoir mangé ta délicieuse nourriture, tout mon corps est maintenant délicieux. Délicieux. Oh oui. Hey, ma chérie. Eh bien, tu sais tout de moi. Tout de moi est sucré. Tu le sais, n'est-ce pas? Tout à propos de toi est délicieux. Hey, tu te souviens? Je dirais même là. Même là, noix actuellement. Noix baisée. Alors, tu as donné l'argent pour préparer à Kwesi Sochuku et tu ne m'as rien donné. Qu'ai-je faire? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ne mentionne plus jamais mon nom. Hein? Oui, oui. Et qui est en train de parler? Noix baisée, hein? As-tu réalisé que je porte ton enfant? Hiya! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Es-tu la seule à porter mon enfant? Oh! Elle porte également mon enfant! Et laisse-moi te rappeler, elle profite des fruits de son dur labeur. Hein, madame la fierté? Écoute, tu n'as pas pu faire de même. Donc, va manger ton orgueil. Cet orgueil te nourrira dans cette maison. Et voilà. Alors, tu veux que je meure, c'est ça? Ma chère, je jure, si tu meurs, ça voudrait dire que les dieux ont entendu ma prière. Moi, ça. Un gros problème est évincé. C'est tout. Hein? Pardon. Ma chère mère. Pardon. Kwesi Sochuku. Hey, tu vois cette maison? Tes jours sont comptés. On verra qui est la plus forte. Je n'ai pas ton temps. N'importe quoi. Tu en profites, n'est-ce pas? Je suis bon, n'est-ce pas? Je suis bon, n'est-ce pas? Tu apprécies, n'est-ce pas? C'est magique. Je m'en sors bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Je le fais vraiment bien. Coco, les choses, coco. Réussi, réussi. Dis, tu veux que je te ramène à l'intérieur et que je te donne un autre coup? Encore un, n'est-ce pas? Celui-ci, attends, il ne te suffit pas, n'est-ce pas? Celui-ci, je sais qu'il ne te suffit pas. Alors, laisse-moi te masser. S'il te plaît. Alors, maman. Oui? Comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment épouser votre fille. J'en ai parlé avec ma famille. Et ils sont d'accord pour m'accompagner quand je serai prêt. Donc, c'est bon. D'accord. C'est sans souci. Tu es venu avec des bonnes nouvelles. Et j'en suis vraiment content. Quand je regarde ma fille, il n'y a pas moyen qu'elle dise non. Vu la façon dont vous vous tenez, hein? Ça se voit que la réponse, c'est oui, parce que vous vous aimez beaucoup. Je suis contente d'entendre cela parce que c'est bien sûr, toutes maman. Les mères. Voir sa fille s'engager, c'est le rêve de toutes les mères. Mais j'aimerais te poser une question.
Et si... c'est très pertinent avant le mariage. Si un de ces jours, ma fille change d'attitude envers toi, que feras-tu? Vas-tu l'abandonner ou est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Maman, nous allons... On va apprendre à se connaître. Et la connexion qui existe entre nous contribuera à sa réussite. J'aime ce que tu viens de dire. Connexion entre vous. Vous êtes interconnectés par le cœur et il ne faudrait pas qu'après il explose. Mais c'est bon, ça va. Le plus important est que vous appreniez à vous connaître. Eh bien, ma fille, je vais également te demander. Si cet homme change demain, vas-tu continuer à l'aimer? Bien sûr, maman, je continuerai. Oui. Eh bien, ça va. C'est bon. Mon gendre. Ma. Prends bien soin de ma fille. Traite-la bien. Épouse-la en étant consciente que tu vas t'occuper d'elle. Je le ferai, maman. Je vais prendre soin d'elle. Je vais la rendre heureuse. En fait, je ne prendrai pas seulement soin d'elle, mais je prendrai soin de vous aussi. Hé, Dieu a exaucé mes prières. Merci, Seigneur. Tu m'as envoyé un gendre qui pourra prendre soin de moi. Je te remercie. Ce sera vraiment formidable. C'est ce pourquoi toutes les mères prient. Que son gendre se soucie d'elle. C'est vraiment gentil. J'apprécie. Tu sais qu'il y a des hommes qui font des promesses aux femmes. Ils font vraiment des promesses de prendre soin de leurs femmes. Et fin des comptes, ils sont peu à respecter leurs paroles. Très peu qui prennent soin de leur femme. Il faut bien prendre soin de ta femme. Maman, même si c'est 2%, je fais partie de ces 2%. C'est ce que je disais. Si tu fais partie des 2%, c'est une grâce. Je sais que tu prendras bien soin de ta femme. Prends bien soin d'elle. Maman. Prends soin d'elle. Maman, s'il te plaît. Elna, tu es un bon garçon. Merci, tu es un très merci, bon maman. Garçon. Bon garçon. Merci. Vous êtes beaux ensemble. Merci. Prenez soin de vous, aimez-vous entre vous. Soyez heureux et faites-moi beaucoup de petits-fils. J'en veux beaucoup, beaucoup. Maman, tu l'auras. Parce que parfois, vous allez comme ça en ville et puis rien. On ne voit aucun petit enfant. Hein? Vraiment que le Seigneur vous donne des petits-fils, je vous assure. Je dirai à ma belle famille qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par leur fille. Donc, quand tu seras prêt, fais-le-moi savoir. Merci, tu viendras les rencontrer. Merci infiniment. Merci, je t'en prie. Ok, ma belle. Je pense que je vais devoir m'en aller, maman. Tu veux déjà partir? C'est vite. J'espère que c'est pas moi qui te fais partir. Non, c'est juste pour le travail. Je oui, mon fils, va gérer les business. On a besoin d'argent. Hein? D'accord, maman. Oh. Merci infiniment, maman. Hey! Voilà mon jeune chef. Mon jeune chef. Jeune chef. Bienvenue, chérie. Pourquoi tu m'appelles jeune chef? Les chefs sont normalement âgés, mais tu es encore très jeune. Le titre de chef n'est pas fait pour les vieux hommes. Avec de l'argent, tu peux avoir ce titre de chef. Je sais tout ça. Sois le bienvenu. Merci, ma beauté. Merci. Ah, Anna. Bonjour, maman. Mon chantre, sois le bienvenu. Merci, maman. Ah. Maintenant, je comprends pourquoi t'es si belle. Arrête de me flatter. Sois le bienvenu. Maman, merci d'avoir partagé ta beauté avec cet ange. Ah, sois le bienvenu. Merci. Ah, mon fils, s'il te plaît, viens à l'intérieur oui. Et puis tu vas manger quelque chose. Ah, pourquoi vous êtes dérangée, maman? Ah, comment ça? Il faut que tu manges. Ah, c'est comment avec cet enfant? Ça, c'est mon gendre. Oh, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. On t'a fait un plat très spécial, mon gendre. C'est sa voiture là-bas. Elle est vraiment jolie. Non! Non, ne me dis pas ça! Ne me dis pas du tout ça! Hey! Non! Je ne peux plus continuer ici! Vraiment? Oh, ouais, je te l'ai dit! Je n'en peux plus de tout ça! Waouh! Maintenant, tu me dis quoi faire? Non, regarde autour de toi et dis-moi si ton boulot de photographe peut régler mes factures. Non, impossible. Ça ne peut pas du tout payer nos factures. Peux-tu imaginer? Ta femme, j'ai obtenu une promotion après 6 mois.
C'est moi, j'ai obtenu une promotion. Tu devrais être heureux et reconnaissant pour moi. Tu devrais être reconnaissant et très content d'avoir une femme comme moi. Reconnaissant, mon œil. Tu devrais être reconnaissant. Tu la fermes. Tu me sens avant d'avoir cette promotion. T'es ma femme. Donc tu devrais accorder du temps à ton époux et à ta maison. Pas seulement le travail, à chaque fois, je suis fatigué. Waouh, tu es fatigué. Oui. Oh, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué parce que je travaille. Tu es fatigué. Je sais quoi. Je suis très occupée. J'ai des choses à faire. Quand je serai de retour, on en reparlera. D'ailleurs, je suis prête pour ça. Oh, vraiment? Donc, quand ton mari s'est plaint, c'est qu'il est dramatique? Bien sûr que tu es dramatique. Oh, regarde vraiment? Autour de toi. Bien sûr que tu es dramatique. Tu es dramatique. D'accord. Tu sais quoi? J'en ai fini avec toi. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu fais de ça en problème. Quand le sujet d'avoir des enfants surgit, tu vois, d'en faire un problème. Oh, oui. Donc, maintenant, il s'agit d'avoir des enfants. Maintenant, ce sont les enfants. Il s'agit des enfants ou il s'agit de travailler trop dur. Je ne sais même pas pourquoi tu fais de ça un problème. Mais tu sais quoi? J'ai du boulot qui m'attend. Au revoir, mon sucre, mon mari. Bonne journée. Ouais, c'est tout toi. Ça, c'est ton problème. Toujours en train de fuir. Au revoir. Bébé. Bébé, arrête s'il te plaît, je suis occupée. Bébé, s'il te plaît. Non, pas encore. Tu sais, tu m'as manqué et je te veux. S'il te plaît. S'il te plaît, actuellement, j'ai vraiment beaucoup d'emails à envoyer. S'il te plaît. Tu comprends? Tu me manques beaucoup. S'il te plaît, arrête, je te dis que je t'ai occupée. C'est quoi tout ça? Tu cries sur moi? J'ai dit que... On dirait que j'étais en train de te battre ou je ne sais pas. Mon Dieu. Désolée, ta voix aussi le ton, d'accord? C'est juste que j'ai vraiment du boulot. S'il te plaît. Je sais bien comment ça marche. Je dois le terminer. Bébé. Désolée. Chaque fois, c'est ce que tu me sers comme excuse. T'es occupée à la maison? T'es tout le temps occupé. Je veux dire, il n'y a que pour le boulot. Et rien du tout pour moi. Es-tu marié à ton boulot ou à moi? Oh, voyons, chérie. Mon Dieu. Pourquoi tu fais ça maintenant? Je t'ai dit que là, j'avais du boulot. Pourquoi ramènes-tu ça? Vraiment? Tu sais quoi? Je vais... Dis-moi. Cet espace juste pour toi. Je vais aller de l'autre côté et essayer de travailler. Je me demande si t'as des trompes. Que viens-tu de dire? J'ai dit... Que viens-tu de dire? Je te demande... Que viens-tu de dire? C'est quoi ça? N'importe quoi. J'arrive. Maman? Maman, que fais-tu? Tu ne m'as pas dit que tu venais? Pourquoi ne m'as-tu pas avisé? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va chez toi. Parce que, à ce que je sache, je n'étais pas éduquée comme ça. C'est censé être mon bienvenue, maman. Ou je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolée, maman. Désolée pour toi-même. Bienvenue. Comment était le voyage? Personne ne t'y oblige. Laisse tomber. Bon, maman, pour revenir à ce que je disais.
Comment peux-tu débarquer chez moi sans me prévenir? Tu viens du village sans me prévenir? Parce que j'ai appelé le propriétaire de la maison. Attends, oh. Qui est le propriétaire de la maison? Si ce n'est moi enfin. Que tu... Bonsoir, maman. Oh, mon fils, bonsoir. Comment était ton voyage? Oh, il était agréable, merci. Je remercie. Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as invité ma mère sans m'en parler? Bien sûr, je l'ai fait. Pourquoi? Bien. Eh bien, si tu accordais la moindre attention à ton époux et à ta maison, tu te serais souvenu que j'allais au village. Oh, oh. Parce que le travail occupe mon intelligente femme. Je ne savais pas que j'allais au village. Donc elle n'a pas su quand tu étais au village? Elle ne le savait pas. Comment peux-tu inviter ma mère, ta belle-mère, sans même en parler à ta femme? T'en parler en tant que qui? Je suis ta femme et okay. Elle est ma mère. Ça, ferme-la. Comment peux-tu oser le ton sur lui? Désolée, maman. Même en ma présence, tu t'en fiches. Je suis désolée, maman. N'as-tu donc pas de respect? Qui t'a éduquée ainsi? Je suis désolée. Hey! C'est juste que... Oh, s'il te plaît, évite de te justifier. Sans problème. Pourquoi tu oses le ton sur nous? C'est quoi ce vilain comportement? Je suis désolée, maman. C'est quoi ces bêtises? Est-ce que tu dis bague? Madame la lionne, pour qui te prends-tu? N'est-il pas ton époux? C'est toi qui portes la culotte maintenant? Sans problème, maman. Regardez-la, moi. Je pense que vous avez beaucoup à vous dire. Je vous laisse, je vais au boulot. Bien sûr, bienvenue, comme tu as l'habitude de faire. Bien sûr, bienvenue. Bien sûr, comme d'habitude. Et sois confortable. Je peux le croire. Parfaitement. Hein? Qui l'a éduqué ainsi? Aucune idée. Mon Dieu. Oh. Maman, bienvenue. Je prie que ta présence change tout. Ça va changer, oh. Amen. Je prends les choses en main. Ça va définitivement changer quelque chose. Amen, oh. C'est quoi tout ça? Elle risque tout pour son travail. ONU, 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 ONU. Hey! Toi-même, tu vois. Maman, je monte tes sacs. J'aurais tout vu, mon gendre. Viens que je t'amène dans ta chambre. Hey! Prends pitié, Seigneur. C'est bon, maman. Tu vas désormais changer ici. Bienvenue, ma. Je vais personnellement m'assurer de ça. Maman, tu m'as appelée. S'il te plaît, j'aimerais te dire quelque chose, mon enfant. Ok, maman, je t'écoute. Tu as dit que tu aimais cet homme, n'est-ce pas? Oui, je l'aime toujours. Et que tu voulais l'épouser. Mm-hmm. Mais ce que je vois, c'est le contraire d'une femme qui aime son époux. Comment? Maman, s'il te plaît. Va droit au but. Je suis vraiment fatiguée. Je dois aller au boulot très tôt le matin. Quand commencerez-vous à avoir des bébés? Hein? Mm-hmm. Vous allez à un an de mariage et vous n'avez aucun fruit de ça. Que penses-tu que se disent les gens? Ou tu veux qu'on commence à penser que tu as un problème? Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu penses que je suis méprisante. Maman, regarde juste cette maison. Regarde-la bien. Cette villa. Il s'agit de mon dur là-bas. Ma force. La même prison dont mon mari se plaint. Maman. Maman, on ne vivait pas ici quand je l'ai épousé. Le boulot de photographe qu'il faisait nous nourrissait à peine. Encore moins de la maison. J'ai dû trouver comment soutenir mon mari. Je ne voulais pas être une ménagère. C'est pourquoi je travaille dur. Chibusonma, tu sais, tu n'as rien fait de mal. Tu fais la bonne chose.
Toute bonne femme aimerait soutenir son époux, peu importe dans ce qu'il fait. Pour le bien de sa famille. Il ne s'agit pas que de toi, toi, toi. Tu dois à des moments faire des compromis pour devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être. Sans enfant, le mariage n'a pas de valeur. Mmh. Oui. Maman, essaies-tu de me dire que le mariage se résume à faire des enfants? Ha! Laisse-moi te dire. Les enfants sont des cadeaux de Dieu par le mariage. Hmm. Sinon, je n'aurais pas épousé ton père. C'est parce que je voulais avoir mon enfant, mes propres enfants. C'est pourquoi je l'ai épousé. Sinon, si je regardais à ma beauté que j'ai, j'aurais pu être mère célibataire, vivre ma vie, avoir des villas, tout, des voitures et tout le reste. Mais j'ai laissé passer tout cela. Des choses matérielles. Les choses de la terre. Parce que je voulais t'avoir. Et ta sœur. Wow. Oui. Si tu ne le fais pas, toutes ces choses que tu dis et que tu vénères ne valent rien. Ok. Maman, j'ai épousé mon mari parce que je l'aime. Je veux être avec lui. Et je suis avec lui. Je ne l'ai pas du tout épousé pour être une machine à faire des bébés. Que dis-tu? Que dit ta bouche qui pue ainsi? Comment ça, maman? Que veux-tu dire par machine à faire des bébés? Tu n'en as même pas un. Maman, ok, pas de problème. Tu n'en as aucun. Et tu t'appelles machine à faire des bébés. Commence par faire un seul. Et même si je ne lui donne pas d'enfant, il sera toujours mon mari. Tu peux le perdre. Le perdre? Oui, je ne veux pas que tu le perdes pour une autre. Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas perdre mon mari. Ce n'est que pour les bébés. Pas de problème, je vais en mettre au monde le moment venu. Quel temps attends-tu encore? Quand le moment arrivera, on dit que le temps de Dieu est le meilleur. C'est le meilleur temps. Le meilleur. Oui, tu dois trouver du temps. Et alors Dieu t'aidera. Tu ne t'assois pas et tu dis le temps de Dieu est le meilleur. Ah, ou alors est-ce que tu as un problème? Ou alors c'est ton maman, mari qui en a un. Voyons. Ou tu veux me dire qu'elle ne sait pas. Ou quoi? Ou c'est toi? Ah, maman. J'aurai des enfants au moment opportun, hein? T'inquiète pas. Je ne veux pas que notre femme vienne prendre ta place. Ah, non, maman, personne. Tu es là à parler de boulot, 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 avant que tu te rendes compte. On lui ramènera un bébé. Maman, personne. Aucune femme ne peut me prendre mon époux. C'est quoi ton problème? Maman, tu devrais... Ma fille, je te demande, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu possédée? Tu es possédée? Maman, tu devrais demander ce qui ne va pas avec lui, et non moi. Demander ce qui ne va pas avec lui? Et pas toi. Je ne peux pas lui poser ce genre de questions parce que je sais que le problème vient de toi. Alors c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, tout va bien chez moi. J'essayais juste d'arranger les choses. Arranger les choses? Oui. En revenant ici, tu veux arranger les choses avec ton mari? En fait, je n'y crois pas. N'as-tu pas honte de toi? Ou as-tu oublié que ton mari est dans le business des femmes? Dont il aura toujours les discussions avec les femmes. Et cela 24 heures sur 24. Maman, est-ce le seul à être dans un business de femmes? Hmm? Tu devrais voir comment elles se dérangent devant lui. Si elles ne font pas de câlins, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu devrais savoir? Tu sais que tu es toujours impulsive, comme je te l'ai toujours dit. Du moment où il ramène de l'argent à la maison, enlève tes yeux sur ça. Aucun homme n'est parfait, oh. Donc c'est ce que tu devais savoir, je te dis. Mais de quoi est-ce que tu parles? Maman, tu devrais me supporter, et non? Et pourquoi te supporter? Attends, te supporter comment? Pour revenir ici chez moi, chez mon mari? Tout est déjà emballé. Te supporter, pas de problème. Tu ferais mieux de rentrer supplier ton mari, oh. C'est ce qu'il y a à faire. Maman, Tobechuku va revenir ici. Me supplier de retourner dans sa maison. Vraiment? Oui, ne t'en fais pas. Est-ce que tu sais que quand Toby et Chuko est venu demander ta main en mariage, il recherchait une femme forte qui allait rester à ses côtés, le supporter et le pousser plus loin? Je l'ai supporté. Comment? Je m'occupais de son business, maman. Très, très bien. Et tu as remarqué qu'il s'en sortait parce qu'il caressait et embrassait les filles.
tu t'enterres toi-même. Ok, pas de problème, non? Tu vas t'asseoir ici et une autre femme va prendre ton foyer. Maman, aucune femme ne peut tenter. Si elles essayent, le feu les consumera toutes. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est toi qui allumes le feu. Hein? Vas-tu les envoyer le feu en étant chez ta mère? Honte à toi. De toute façon, j'ai bastonné sa sœur. Oh, tu as battu ta sœur et tu es contente de le dire à haute voix. Tu as battu sa sœur et tu n'as pas honte de dire que tu as battu sa sœur. Tu pensais que c'était sa petite amie, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il mentait. Comment tu sais qu'il mentait? Maman, la fille n'est pas sa sœur. Comment? Pourquoi tu le saurais? Elle n'était pas à notre mariage. Alors, tu veux dire que toutes ces connaissances femmes devraient assister à votre mariage, c'est ce que tu veux dire? Elle devait, maman. Et si elle n'y était pas pour une raison quelconque? Maman, pourquoi aurait-elle manqué cette occasion de les empêcher? Oui. Si tu le dis, d'accord. Tu es de retour, non? Tu es venue rester dans la maison de ton père. Maman, je ne veux pas avoir ton type de mariage. Ce qui veut dire? Tu étais trop tolérante envers papa. C'est pour ça qu'il a ramené une autre femme pour venir te déranger. Ah. Oui. Donc, comme tu ne veux pas de rival, tu es venue rester ici. Reste là, une autre prendra ta place. Oh oui, une autre femme prendra ta maison. Elles ne seront pas, maman. D'accord. Tu es venue rester là comme ta sœur, n'est-ce pas? Reste là. Il y a assez d'espace pour vous. Vraiment. Hé, hey, on verra. Hé, hey, je verrai vraiment tout avec cette fille. Regarde ça. Cet homme est si drôle. Tu es Dieu, le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de place pour les disputes. Tu es Dieu tout-puissant. 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 Oh. Tu es Dieu tout-puissant. Mon gendre. Ah, maman. Tu fais le ménage. Hey, mon Dieu, tu es un ange. Merci. Tout est si propre. Merci, maman. Hein? Écoute, comme tu ne veux pas que je t'aide en cuisine. Peux-tu au moins laisser que je goûte à ton repas? Ah, ah! Tu me le demandes? Oui, bien sûr. Pas besoin de prendre une permission. Ta maison est également la tienne. J'espère que c'est bon. Tu verras par toi-même. Ok. Maman. Mon genre. La meilleure des mères. Oui, je le suis. La reine mère. Dis-le encore. Et où? Je suis la meilleure. Attends, j'appelle Thiboussan. Tu es Dieu. Allô, mon amour? Mon amour? Comment est ta journée? Très bien. Et toi? Cool, parfait. J'espère que tu vas rentrer un peu tôt ce soir. Ah, aujourd'hui? Ah, oui, mais pas très tôt. Ah, pourquoi? Bébé, je dois me rendre à l'anniversaire d'un client. Je vais dire, il a promis me présenter à ses amis riches. Et donc,
Quand il le fera, les autres voudront ouvrir des comptes chez nous. Et c'est en plus pour moi. Ça m'amènera à un niveau supérieur, bébé. T'es sérieuse? Et tu me le dis juste maintenant? Je suis désolée. Ça ne fait pas longtemps qu'il m'en a parlé. Je suis désolée. C'est bon, de toute façon, je ne pourrais pas t'en dissuader. En plus, j'y vais pas seule. J'y vais avec Cynthia. Ah, tu y vas avec Cynthia? Cynthia, l'ambianceuse. J'espère qu'elle va te laisser rentrer tôt ce soir. Oui, elle le fera. Elle me laissera rentrer tôt, ok? Hein? C'est promis. Pourquoi insistes-tu sur le fait de rentrer tôt? Rien de spécial. Je vais juste passer du temps, un temps de qualité avec ma belle et tendre épouse. Ok, bébé, je te promets de rentrer tôt, ok? Si tu veux passer du temps avec moi, sois juste patient, d'accord? Es-tu sûre? Très sûre, bébé. Je t'aime aussi. Mouah. Maman. Hmm? Que fais-tu? Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. Mais il se fait tard, où est-elle passée? Ah. Mon amour. Que s'est-il passé? Tu me le demandes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Je devrais te demander ce que tu fais là. Oh, s'il te plaît. Va plutôt voir si c'est ta femme. Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman. Qu'as-tu fait, maman? Tu me sens mal, c'est de ta faute! Mon Dieu, comment je me suis retrouvé dans cette merde? Mais quelle femme mariée pourrait faire son travail à son foyer? Je t'ai appelé plusieurs fois pour te rappeler de notre anniversaire de mariage! Mais t'as pas répondu. Je t'ai envoyé plusieurs messages et tu les as ignorés. Je suis désolée, bébé. Tu vas la fermer. Si t'avais répondu, cette merde n'aurait pas eu lieu. C'est quand nous sommes arrivés à la fête que le client nous a informés que ses amis allaient arriver tard. Ce n'est pas du tout de ma faute. Bébé, je n'ai même pas su quand tu appelais, j'ai mis mon téléphone en sourdine. Cynthia et moi sont rentrés dans les embouteillages.
J'ai essayé de t'appeler en vain, mais tu ne décrochais pas. Bébé, je te jure, je n'ai pas fait exprès. Ce n'était pas mon décision. Oh, épargne-moi de tes salades! Tu as planifié tout ceci! Tu savais que tu n'allais pas rentrer tôt! Tu l'as fait sciemment! Bébé, je suis désolée, je te le jure. Je n'ai pas planifié, bébé. Juste écoute-toi un peu. T'es désolée? Être désolée, va-t-il arranger ce mariage? Être désolée, va-t-il arranger les dégâts que t'as causés? Parce que tu as ruiné notre anniversaire de mariage. Bébé, on peut tout arranger, laisse-moi tout arranger. Bébé, laisse-moi tout arranger. Toi, qui va le fixer? Bébé, donne-moi une chance, s'il te plaît. Laisse-moi tout arranger, on peut sauver ce mariage. Tu sais quoi? Si tu oses me toucher, je vais t'étrangler avec mes mains. Bébé, je peux tout arranger. Tu sais quoi? Ta mère et toi devriez quitter cette maison. Oh, je me rappelle que c'est ta maison. Alors je m'en vais. Non, non, bébé, je ne peux pas dire ça. Bébé, je t'ai dit. Bébé, tu ne peux pas me faire ça. Bébé, bébé, reviens. Bébé, je te jure. Idiote. Je vais arranger ce mariage. Bébé, tu ne peux pas me faire ça. Ah, bébé, es-tu satisfaite? Es-tu heureuse maintenant? Es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Es-tu heureuse maintenant? Es-tu heureuse? Quel genre de mère es-tu? Quel genre de mère es-tu? Je suis désolée, mon enfant. J'essayais juste de protéger ton mariage. Je ne savais pas que j'étais surprotective. Je ne voulais pas que d'autres femmes prennent ta place dans ton foyer. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donc, tu voulais me protéger? Oui. Tu voulais m'aider? Oui, comme une mère aide son enfant. Tu es une insensée. Tu es folle. Tu me protèges? Pourquoi ne peux-tu pas agir pour une fois comme ton nom l'indique, maman? Alors, coucher avec mon mari est le seul moyen que tu as trouvé pour aider ton enfant? Je suis tellement dégoûtée à ta place d'avoir couché avec ton propre gendre, sale pute! Es-tu malade? As-tu perdu la tête ou bien? Ne réalises-tu pas que je reste ta mère, peu importe la situation? Choisis tes mots! Partout où tu passes, des malheurs s'en suivent. Oh, tu voulais partager mon foyer, tout comme tu l'as fait avec ta couépouse. Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié la diction qui dit « prostituer un jour, prostituer toujours ». Essaye. Essaye, femme sans honte. Je sais quoi? Aujourd'hui, tu cesses d'être ma mère. Je suis désolée. Je suis désolée, mon enfant, pardonne-moi. Ne m'appelle plus jamais ton enfant. Ne m'appelle plus jamais ton enfant. Tu as cessé d'être ma mère le jour que tu as partagé mon foyer. Tu as partagé mon lit conjugal. Je te hais. Je maudis le jour où tu m'as eu. Je maudis le jour où je t'ai appelée maman. Je te hais tellement. Je te hais de tout mon être. Tu me dégoûtes, Iruba. Thank you.
Oh mon Dieu! Pardon, t'as vu mon argent? Attends, est-ce que t'as vu mon argent? L'argent? Je ne sais pas. J'ai posé l'argent sur la table. Je l'ai gardé hier, mais ce matin, il était trouvable. Va demander à quoi ça tu n'est pas à la maison. Je ne la trouve pas, ni l'argent, ni l'enfant, ni son sac. Hein? Est-ce que tu l'as vu, pardon? Attends, tu veux dire, tu ne trouves pas Kosiso Chukwu à la maison? Je ne le trouve pas. Dans la maison, j'ai gardé 800 000 et je... Quoi? Je ne le retrouve pas. Hey, attends, je suis fini. Viens-tu juste de dire 800 000 naira? Hey! Yeah! Hey. Nous a baisé. Alors tu as cette somme d'argent dans cette maison. Et tu m'as laissé avec mon enfant qu'est-ce affamé. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? C'est l'argent que j'ai obtenu en vendant le terrain de mon père, voyons. Je voulais investir dans la boutique parce que la boutique, elle est vide. Et tu es là à dire que je suis méchant. Tu as récolté ce que tu as sémé. Tu es très méchant. De toutes les façons, je m'en vais chez elle maintenant. Si je la trouve dans cette maison, je vais l'étrangler et lui ôter la vie. Oh, oh, oh. Ne va pas, ne va pas te mettre dans les ennuis, oh! Et d'ailleurs, qui t'a dit que tu vas retrouver Kosiso Chukwu chez ses parents? Hein? C'est bien fait pour toi, tu as récolté ce que tu as sémé. Je suis même très contente parce qu'elle a pris ton argent pour aller prendre soin de son enfant, hein? Hey! Mais cette Kosiso Chukwu est très intelligente. Elle a pris 800 000 naira et je suis si affamée. Dès que tu la retrouves, tu reviens me trouver à la maison. Tu vois cette maison? Je vais aussi la vendre. Tu verras. N'importe quoi. Mon amour, pardonne-moi. Mon amour, mon mari, la couronne sur ma tête, mon roi, mon ami, mon meilleur ami. Bébé, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi et reviens à la maison. Kibusorma, j'ai couché avec ma belle-mère parce que ma femme, qui était censée être là pour moi, n'était pas là. Ce n'est pas juste ta faute. Ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute. C'est moi qui devrais être venue. Désolée, bébé. J'ai reconnu mes erreurs. Pardonne-moi. J'ai pitié de moi. Je suis désolée. Bébé, notre maison est vide sans toi. J'avais peur. J'étais terrifiée. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu m'obtenir 100% dans ce mariage parce que j'avais peur. Bébé, je ne voulais pas totalement m'expliquer de faire d'arrêter. Bébé, tu connais ma famille. Bébé, pitié de moi, je suis... Bébé, pitié de moi. Tu sais quoi? Je suis venu ici prendre mes affaires. Actuellement, je suis blessé. Je suis vraiment blessé. Bébé, ne me laisse pas, je vais mourir. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Bébé, ne me laisse pas. Bébé, tiens de moi. Bébé, s'il te plaît. Bébé, je t'en prie. Bébé, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je ne vais pas te laisser. Mais actuellement... Je ne te quitterai pas. Mais actuellement, tu dois partir. Je vais revenir. Plus tard, je dois m'éclaircir les idées.
Donc, je peux tomber enceinte à cet âge. Je devrais être contente. Mais je me sens si triste. Ma fille me déteste parce que j'ai essayé de briser son foyer. J'essayais juste de sauver sa place dans son foyer. Je pense que je ne me suis pas prise de la bonne façon. Mais c'était le seul moyen que j'avais pour le sécuriser pour ma fille. Je ne voulais pas qu'il y ait une autre femme qui compétisse avec elle. Je pense que ma peur que l'on fasse fit ce que j'ai fait exactement à Ogoshi et a pris le dessus. Mais pourquoi la même chose se répète-t-elle toujours dans ma famille? Ma mère a pris le mari d'autrui et devint la deuxième femme. Ma grande sœur, pareil. Moi, pareil. Chisemde a pris le petit ami de sa demi-sœur. Et moi, maintenant, j'essaie de détruire le foyer de ma fille. Y a-t-il un sort jeté sur ma famille? Je ne pense pas. Je pense qu'on a été mal éduqué. J'ai fait pareil avec mes filles. Regarde comment Chisemde souffre aujourd'hui. Je prie pour les jours à venir. Qu'elle pardonne à leur mère. Je ne peux pas être vue avec une grossesse. À cet âge, dans ce village, que diront les gens à propos de moi? Je ne peux pas garder cette grossesse. Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. No ma, jiriye wa yo. Makanu walu me buwangwe. A bad woman is like a bed bug. When comes, it's hard to get rid of her. Pretenders do do. Makanu walu me buwangwe. Pretenders do the worst. Ioma. A wicked woman cannot last in her Ioma. Home. Ioma. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her hey! Home. Mon Dieu! No ma, jiriye wa yo. Makanu walu me bu. Ioma. Ioma. A bad woman is like a bed bug. When comes, it's hard to get rid of her. Pretenders do do. Mon Dieu. Makanu walu me bu wangwe. Hey, mon Dieu. Hey, venez. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Just do the worst. A wicked woman.
not last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. Nona Jiriye Wayo Makanu Walu Mepo Kwamu. A bad woman is like a bed for when caught, it's hard to get rid of her. Pretenders do the worst. A wicked woman cannot last in her home. Pretenders do the worst. A wicked woman can never last in her home. She's a dangerous.